Ok. Il y a un caillou, il y a un caillou. C'est trône, il y a des cailloux. Tac. Ah moi ça va, je vais pas pouvoir rester car j'ai pas... Non mais je peux comprendre. Je peux comprendre, je peux comprendre. Il y a plein de gens qui vont partir là. De par le fait que c'est Plumber Maker et de par le fait que c'est Zelda. Donc on va se retrouver à très peu de gens. Oh la tête, sympa. Oh, j'ai Mister Gamer. Ok, donc ça c'est bon. Je ferme. Pas ça du coup, j'attends la musique. Il y aura pas de musique pendant Zelda, hein, parce que pendant Zelda, je ne pourrais pas me permettre de faire un retour bureau pour mettre la musique, étant donné que ça va ramer et que ça va planter peut-être, et je ne veux pas faire crash mon live. Voilà. Donc il n'y aura pas de musique pendant Zelda, à part la musique du jeu, évidemment. Le titre, faut le changer, non, un jour. Ce serait bien. Ok, tout est ready, j'ai plus qu'à lancer le jeu vidéo et couper la musique après. Incroyable. Elle termine pas la musique. Pas encore. Je vais lancer l'émulateur. On va prier pour que ça ne plante pas du coup. On va allumer la manette, c'est un bon début ça aussi. Parce qu'il y a un monde où la manette se connecte chez Caro. Ce monde vient d'arriver. Pardon. J'ai combien de minutes de jeu? J'en ai beaucoup trop, Mister Gamer. J'en ai quelques heures. J'en ai plus que quelques heures. Je dois avoir 20-30 heures, je pense. Je sais pas si on peut vérifier. Ok. Pardon. Tu l'as pas 100% Mister Gamer, si? Quand même pas, je pense pas. La manette fait grève, elle veut pas se mettre chez moi. Ah, ça y est. J'ai plus de batterie. Il commence à faire beaucoup trop chaud. On n'a pas encore lancé le jeu en plus, donc ça va faire encore plus chaud après. Petit ventilateur. On va lancer le jeu, je vais faire la musique et je lance le jeu, les gars. Elle a bouclé, ouais. C'est vrai qu'elle a bouclé deux fois. Allez, on coupe. Comme ça, au moins, on lance le jeu, on perd pas trop de temps. Ça, je peux fermer du coup ce. Ouais, parce que j'ai un onglet. Enfin, j'ai une page avec 23 onglets. Vous imaginez que niveau ressources, ça consomme. Tac, on est pas mal. C'est ok. Ok. Et puis, c'est parti. Ça va freeze. Ça va freeze, ça va freeze. Blablabla. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal, 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 c'est normal. C'est bon, ça rame plus. Incroyable, hein. Non, c'est normal que ça frisote comme ça, ça charge les shaders, et du coup, la CG est à fond, et du coup, ça ne laisse plus beaucoup de choix pour les autres processus. On y arrive, le jeu se lance tranquillement. Oui, donc je répète, évidemment j'ai le jeu chez moi, hein. je joue sur l'émulateur parce que l'expérience est préférable pour moi, je trouve. Que sur la Switch, enfin que sur ma Switch, j'entends. Il y a des Switch où le jeu tourne plutôt bien, la mienne, comme c'est la première version, et qu'elle est mal ventilée, que du coup elle est vieille, elle tousse un peu quoi. Mais genre beaucoup trop. J'ai mis ta tête chelou sur Discord. Ah oui, faut que je quitte Discord. En parlant de Discord, faut que je quitte Discord parce que sinon ça prend des ressources aussi. Discord, c'est vraiment un puits à ressources ce truc-là. Ok, normalement c'est good. On passe sur du plein écran et on passe sur Zelda, les gars. Ouais, mais moi elle est mal ventilée. Typiquement, Mister Gamer, quand je lance n'importe quel jeu, j'entends ma Switch, elle fait. J'ai poutonné. Mais tu sais, elle galère quoi. Ma Switch doit avoir un petit problème de poussière. Ce qui fait que du coup elle chauffe plus facilement, et comme elle chauffe, bah quand ça chauffe, tu sais, t'as les composants qui se mettent un petit peu
en mode je consomme moins pour éviter que ça crame, tu vois. Et comme ils consomment moins, ils ont moins d'énergie. Et comme ils ont moins d'énergie, et ben ils ont moins de ressources pour faire tourner le jeu. Donc ça rame plus. Ça, ma Switch est un petit peu trop vieillotte. En plus d'être une V1, quoi. Il est vrai que la V1, de toute façon, était moins performante de pas grand-chose, mais elle l'était. Et bon. Il faudrait que je la souffle, ma Switch, comme il faut. Histoire de. Donc oui, la dernière fois que nous étions quittés, nous avions fait de la bouffe, mais de fou. On avait fait de la bouffe. Le but étant là de rejoindre la Gazette pour peut-être, je sais pas, faire une quête. Parce que la quête de la Gazette, on en parle à la tour de, au Fort de Guay dès le début. Et je sais que tout ce qui se passe au Fort de Guay au début, c'est des choses, des sortes de tutos, d'accord, des trucs plus ou moins obligatoires que j'ai déjà raté. On a quand même pas mal exploré les tréfonds. Les tréfonds, ils sont quand même pas trop mal explos. Le ciel, pas tant que ça. J'ai l'épée de légende. Je suis monté sur le dragon, hein. Je vais pas trop spoiler, mais voilà, je suis monté dessus. Je l'ai ken, quoi. J'ai totalement ken le dragon. Du coup, enfin, voilà, quoi. Donc on avance là-bas. Ah non, il y avait la grotte, on l'avait pas fait, c'est vrai. Faisons la grotte. Faisons la grottinette. Faut que je coupe mon retour à gauche. Hop là. Let's go dans la grotte. Qu'est-ce qu'ils veulent là? Musca. Oh, il y a Uska des Musca. Trop marrant. D'ailleurs, c'est trop marrant, mais les troglodytes là, les mobs qui sont sur les toits, sur les plafonds des grottes, ces mobs là, avant, ils étaient totalement dans la terre. Parce qu'en vrai, il n'y avait pas les grottes avant comme ça. Du coup, ils squattent tout le temps là. C'est triste, non? Quelle vie nulle. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir de moi? Ils vont vouloir des champis? Oh, j'en ai, je crois. Mais ils n'existaient pas, ouais, mais c'est bizarre quand même qu'ils aient, ils sont quand même matures hein, pour des mobs qui n'existaient pas, tu vois. Ils grandissent vite, hein. J'ai des champignons moi sur moi, oui j'en ai plein. J'en veux justement 10, ça et c'est cadeau. C'est cadeau. C'est quoi que tu donnes le cadeau? Est-ce que ça compte pour la complétion ou est-ce que je dois me faire chier? Je pense que la quête est terminée donc c'est fini non? La complétion est qu'on... Enfin c'est ok non? C'est ok non? On va quand même prendre le plat mais normalement c'est ok. Ouais. Oh. Ça ressemble à des granulomos qui brillent dans les noirs, tout ça. Ouais, effectivement, ouais. Oh. Qu'est-ce que... Ah. Ah ça? De ça à personne? Quoi? De ça? De quoi il parle? De quoi elle parle? On va faire le sud, là. Alors là, on va passer au nord, ok? Ok, donc il faudra aller au nord pour les retrouver. Donc j'ai bien fait de leur parler finalement pour la récompense. Donc dorénavant, il faudra que je le fasse aussi. Ah ouais, non, ça termine pas la quête. Ok. J'ai la flemme de Bernard Minet, étant donné que j'ai rien pour Bernard. Ah si, j'ai ça. Ok, chef. Ah, ils sont auto-ken, le mob. A plus, Pamplemousse. Des bisous à toi, Squalala. Porte-toi bien, à bientôt. Ah, mais il est argenté, lui. J'en ai jamais vu d'argenté. Jean-Michel hein. 32 c'est pas mal hein. 32 c'est pas mal.
Allez, sors ton pénis. Le coffre. Une arme. Un bouclier lapin. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Pardon. Je l'ai brûlé. Ça va. Et rien de plus. D'ailleurs, faudrait que je le retourne le voir, le Jackie. C'est vrai que j'ai le droit de me TP maintenant. Je me suis octroyé le droit de me téléporter. C'est cool, ça. Taïo, je crois. Ça part sur Utaio, je crois. Dagadandam. Où est-ce qu'on est? Je sais pas où on est. Où est-ce qu'on est? Ok, faut retourner au nord. Oh bah y'a un sanctuaire, mais j'ai déjà fait sanctuaire. Non? Non, c'est foutrement rien. Je crois que j'ai déjà fait, mais je suis pas sûr. Ah, je l'ai complètement pas fait, ouais. J'avais la flemme de tout rouler, hein. J'avais la flemme. J'avais la flemme, les gars. Sanctuaire. 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 Toujours la flemme. Ah, mais ça, la flemme, ça, Mr. Gamer, c'est quelque chose. Mais du coup, c'est cool que tu vas pouvoir regarder un petit peu du Zelda parce que. J'aime bien partager, quoi. Des gens en plus qui connaissent, qui peuvent en discuter, etc. Moi, ça me plaît. Question de propulsion. Ouais, à foutre ta propulsion. On a rien à foutre la propulsion, moi. J'ai la flemme. Bah je crois que j'ai chié, c'est vrai. Attends, c'est pas fini. Bon, est-ce qu'il y a un monde où on peut cheese encore? J'aime bien le cheese, moi. Ah, c'est compliqué, hein. Où est le chest, sinon? Le chest est là-haut, d'accord. Pourquoi je le prends? Ils sont collés là? Ok, là ils sont collés. Pardon? Bah c'est pas censé genre... Ouais. Ok, hein. En fait je veux garder une fusée. Plus ça suffit, je crois. Qu'en est-il ensuite? Ah, y'a encore des fusées là. Ça, j'ai compris. Normalement, on s'envole bien là. On s'envole!
Alors, oh, c'est pas très symétrique, mais bon. On va un peu être penché. Alors. Normalement, si tout se passe bien, on part pas du tout au bon endroit. Mais bon, on verra bien. On verra, ça peut être marrant. J'ai pas fait exprès, chef. Chef, c'était pas volontaire. C'était un peu puissant quand même. C'était un peu trop puissant, je trouve. On avait une certaine puissance, non? Ouais, ouais, c'est pas ce que je voulais, quoi. Mais ça marche. Incroyable. Ah, d'accord. Pourquoi il s'est décollé? En fait. J'ai fait mon truc 4 d'en haut. Oh, j'ai une idée de fou, les gars. J'ai un truc super drôle à faire. C'est super drôle, vous allez voir, c'est super amusant. Mr. Fleece, bonsoir, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, ami, tu respires le bonheur. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Oups. Vas-y, ma strat marche pas là, je veux monter avec le caddie. Et en fait, je voulais partir avec le caddie de là-haut. Ça me dégoûte. Bon, tant pis. Bah écoute, ça se passe bien pour l'instant. Hein. Ça se passe très très bien. Hein. On vient de commencer, on est bien là. Ok, je me suis cogné contre le mur. C'est parfait. Et moi, je voulais partir de là-haut, ça aurait été encore plus fun. Putain, je suis nano déçu, quoi. Bon, c'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Padam, papapapam. Salut, toi, Mr. Fleece, t'as fini, du coup? Ça y est? Parce que nous, on n'est pas près d'avoir fini, on n'a toujours pas avancé niveau histoire. Hein. J'ai quand même chopé l'épée de légende, d'accord, hein. Je suis parti chercher sur Jackie au-dessus, là. Sur Jackie, qui je sais qui c'est. C'est là-bas, la gazette, je crois. On y va, hein. Pas très chaud, ici, hein. Pas très chaud, ici, hein. Mon épée de feu, elle est là. Un peu frisqué ici, hein. C'est la gazette, c'est ça. C'est à moi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je me suis endormi, j'ai bien vu, ouais. Quelques fagots de bois. J'ai bien compris que les pommes de pin d'Yaoul ne faisaient que pas l'affaire. J'ai pas envie, mais quand... Faut y aller, faut y aller. Ok. Dans l'intérieur, ok. Ah, du coup, ça a changé, ok. Parce qu'il fait froid maintenant, c'est pour ça. Ok. Oh.
D'accord. Ok, marrant. C'est à moi ça. C'est à moi ça. C'est à moi tout ça, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi. C'est à WAM. Pourquoi on a des allumettes? Ok, ça brûle bien. Il semble bien qu'on peut créer des mini-tornades avec ça, c'est noté. Tout ça m'intéresse, ouais, vite fait. Vite fait, vite fait pour l'instant. Ça, c'est des flèches. Oh, la hache. Oh, quelle belle hache. Et j'ai presque trop chaud en vrai. Alors, la gazette. Oh, c'est Payne, il est là. C'est Payne, incroyable. Payne est là. Comment ça chute? Parle-moi mieux, mec. Payne, il me parle mal, hein. Je suis pas d'accord, moi. Pas vraiment d'accord qu'il me parle si mal. Dégoûte un peu, ça. Ah. Oh. C'est vrai qu'on dirait vraiment un relais d'extérieur. Mais si t'en es pas un... La tronche de Payne, quand même. Mais je veux pas être reporter, moi. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai déjà vu elle, je me souviens plus. On se souvient plus d'elle. Dans Breath of the Wild, je me rappelle pas. Mais j'ai pas envie. Elle a mis une requête, il s'agirait de mener l'enquête au sujet de la dame Zelda, ok? Ok, ok. Elle donne un coup de main, mais j'ai pas trop envie, quoi. Moi, je suis pas reporter, moi, je m'en fous, hein. Moi, je viens juste pour les récompenses, hein, c'est tout. Hein. Ah, une tenue. C'est Bartracien. Ça me permettra de grimper au mur. Trop bien. Trop bien, ça. Trop bien, ça. Je vais y voler. Comme ça, faut... Non, faut pas que j'aille dans les relais, sérieusement. Enquête de vérité. Ouais, ouais, mais qu'est-ce que ça m'a dit? C'est vrai que je peux me téléporter maintenant, j'ai le droit. Pas que j'oublie, hein. On a fait... Genre des bonnes sources d'informations, rendez-vous sur place pour mener l'enquête. Donc on va faire les relais, vraiment? Genre vraiment? On va vraiment faire une histoire de relais là? Apparemment. Eh bien, let's go dans les relais quoi. Oh. Sapao! Sapao!
Bah écoutez, partons sur les relais alors. Alors faut juste que je les... Voilà, il y en a un là. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. Tia, 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 tia. Da da da. Da 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 da. Da da. Il flotte. Il flotte toujours de toute façon. Oh non, comment ça, oh non? Ah, ça je sais, je connais ça. Ok. Je suis fier, petit oiseau. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Chevaucher une bête, ça. C'est vrai qu'il y a une créature non identifiée. Je sais plus où c'est. Dans la région sud. Ouais, mais je suis pas allé là-bas, moi. Attends, mais quoi? Mais ça veut dire que dans chaque relais, il y a une quête, c'est ça l'histoire? Non, parce que là. C'est une autre quête que je viens d'avoir là. Oh là là. Et du coup, attends, si je me téléporte dans un relais où il y a une fée non loin, peut-être qu'il y a un monde. Je savais que là, il y a une fée, c'est sûr. Ah, et en fait, si je suis pas encore reporter, je pouvais pas aider les gens à faire les quêtes. C'est ça, en fait, l'histoire. Et donc, déclencher les quêtes pour aider les grandes fées, peut-être. Genre là, il faut jouer du violon, je crois, ou un truc comme ça, il me semble. Non, enfin, j'ai fait rentrer dedans. Pourquoi ce boucan, là? Ah, c'est ça, hein. Ah oui. Ok. Ah, c'est ça, ok. C'est bel et bien ça, d'accord. Cette quête, je veux la faire. Débrider. Bon, on va remettre les roues. On va remettre les roues, c'est aussi simple que ça. On est constructeur de véhicules, nous. C'est bien connu. Ok, ok. D'accord, donc je vais pas le débrider, ils vont jouer à la fée, du coup. Nickel. Donc en fait, dans les relais, on va avoir plein de quêtes qui font faire référence à Zelda. Et on va pouvoir résoudre des quêtes secondaires comme ça. Cette quête, elle est relou, je trouve. Il faut que je la fasse, hein, parce qu'il y a une grande fée et j'ai pas vu de grande fée encore, moi. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc c'est parfait, ça. Bah écoute, on prend des roues comme ça là. Puis on la cale, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, non? Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Bah c'est bon, non? C'est réparé. Ah oui, j'ai réparé. C'est moi qui conduis?
Ah oui, d'accord, faut vraiment que je prenne mon cheval. Ah, mais du coup, je peux les déplacer. Ouais, j'ai la flemme de prendre le cheval. Ah d'accord. Ils sont chiants, ouais. Il va vomir. En fait, je les amène là-haut, ils sont relous. Ok, ok, c'est noté. Bon, je prends un cheval. Oh. Oh. Je prends mon cheval. Un peu relou, hein. Ouais, ouais, un peu relou. Un peu casse-couille, je dirais même. Cheval ? Attends, il faut qu'ils redécollent ces gros cons. Ils sont insupportables. Insupportables. Ok, les gars, faut monter dessus maintenant. Je vais conduire. Et c'est let's go, c'est let's go, c'est let's go, c'est let's go. Putain, les casse-couilles les mecs quoi. Tu sais, tout à l'heure ça se déplaçait beaucoup moins quand j'ai soulevé hein. Elle a niqué un bout. Ok, ça se passe bien. Ok, c'était easy, ça va. C'était plutôt ok. Elles vont jouer à la grande fée. De la petite musique. De la petite musique. Ok. Ah, ça y est, enfin une fée. Allez, cassez-vous maintenant, je m'en fous. Ah ah. C'est Mario ? C'est Mario ? Vous avez entendu, c'était Mario là. C'était Mario. C'est sûr. Il est malé, la princesse, une aura très agréable. Ah, attends, elle a été contrôlée. Ah, c'était pas elle, d'accord. Ah, ok. Merci. C'est pas très cher payé, mais... Ok. Ok, 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 le petit cadeau. Tam, pata, pipa, poum. Yaya.
Je sais où c'est qu'il y avait une autre grande fée aussi. Je me rappelle d'une autre. Par contre, j'en ai vu que deux, je crois. Pam 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 pam. Ha. Mmh. 4 en tout, d'accord. Oh bah. Oh bah super. Oh bah spoiler. Spoiler alert, elle me dit où elles sont. Oh bah nickel. Bah je vais aller de ce pas en fait. Hein. Mmh. Oh ouais. Ah. Ouais, améliore mes vêtements, ouais. Ah ouais, améliore mes vêtements quoi. Améliorer totalement mes vêtements. Enfin, si je peux. Ah, on peut pas améliorer ça, c'est dommage. Ah, peut-être pas encore, peut-être plus tard en vrai. Pourquoi je peux pas celle-là? Oh, ça coûte des fragments d'étoiles, mais ça coûte cher de ouf. Ça coûte cher de ouf, les gars. Ouais, ça coûte cher de ouf, quoi. Ah ouais, ça coûte un peu cher, quoi. Quelle est donc une tenue qui m'intéresse? Saint-là, je peux améliorer. Ça, ça m'intéresse. Moi aussi, je fais des bruits, hein. Crache dessus, en plus, là. Ok, ok, ok. Ah! On peut avoir un nouveau pouvoir. La grande fée manque de puissance, d'accord. Ça, je vais le prendre. Ah putain. Oh, c'est un pot qui casse les couillons. Mmh. Ah, ah. Ça me fume le bruit. Oh. Mmh. Ah. 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 Ouais, je vais compter celle-là, elle est gratuite. Mmh. Ouais, tellement. Mmh. Un peu de rubis, mais c'est pas ouf. Ça va. Mmh. Ah. Mmh. Ah. C'est gênant, hein. Oh. On est un peu sur une... Mmh. C'est un peu gênant, c'est un peu gênant. Ouais, c'est quand même assez gênant. Donc les loots qui viennent du spéciaux, il faut des trucs du ciel. Ça marche, ça fait cher du coup. Oh. Ta 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 pam 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 pam. Oh. Mm. Ha. 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 Je pense qu'on va aller faire les fées aujourd'hui. Comme ça au moins c'est réglé. On va se faire les fées. Les quêtes des fées, puis ça va être bien. Ça va être pas mal ça. Bel objectif en tout cas. Ok. Bye. Ok, on va au sud alors. Du coup, on voit les fées sur la map, hein, donc je peux virer mon point. Ok.
Ta-da-ti-ta-ta-ta-tout-ta. On va aller voir celle-ci, hein. Celle-ci qui est pas du tout loin, quoi. Ça va avoir une histoire de pont à réparer, je crois, ou un truc comme ça. J'ai tellement de batterie, ça c'est ouf, hein. Ça c'est oufissime, hein. Si je fous la base, gros con. Il se fout la gueule celui-ci là. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Il peut pas faire comme n'importe qui, aller en bas. Je sais pas si c'est du Giga, oui, c'est sûr. C'est là-bas du coup. Non, mais ça a quelque chose à voir avec les... Ah, les musiciens sont là. Ah, d'accord. La quête que j'ai prise, c'est pas la quête de la grande fée. D'accord. Oui, nous, on en bourre. La chaîne de Bonoru, mais... Près du village, après la chaîne de Bonoru. C'est là? Où? Bon, on va essayer, quoi. On va aller voir, on va aller voir. On va aller voir, j'ai le droit au TP maintenant, donc je l'utilise. D'accord? Juste de téléportation. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est chiant. D'accord? C'est galère, c'est relou. Il faut user de téléportation. Ici, j'ai parlé à personne encore. J'ai pas encore vraiment visité le village de Cocorico. J'ai juste passé en scred là, sans parler à personne. C'est pas là du coup le tambour. Hein. Allez, Link! C'est par là. Oui. Donc là, il y a un monde où, voilà, on entend le tambour. Korogu, korogu, korogu. Il est pas là. Il est où ce contre Korogu, du coup? Moi, il était là, mais il est pas là, il semblerait. Ouais. Pardon? Il est au-dessus? Ah, il est là-haut. Totalement là-haut. Il est totalement là-haut. Est-ce que je vais réussir à monter? Bien sûr que non, et en plus, il pleut. Il pleut plus, apparemment. Oh, la chance que j'ai.
Oh la chatte. Oh la techa. Kurogu. Et bien sûr, quand on sent un Kurogu, on n'hésite pas à lui faire tomber le caillou sur la tête après. Parce que bon, ils sont chiants. D'accord, ils sont relous, donc... Allez, prends ton caillou. Voilà. Cette maltraitance, là. Pancartman, du coup. J'en ai déjà vu des comme ça. Oula, calme-toi. Calme-toi. Pourquoi elle s'énerve comme ça? Elle est folle ou quoi? Ouais, c'est assez magique comment ça tient. J'en conviens. J'en conviens totalement que c'est magique. Normalement, ça ne peut pas tomber. T'as trop de poids. Ça ne peut pas tomber, c'est en train de basculer en arrière. Mais ça va, ça tient. Ok. Où est-ce que j'ai les bonnes escalades? Il me semble les avoir eues du côté des auras. Je vais te montrer. Il me semble, mais je suis pas sûr. Je crois. Je crois les avoir eues là-bas, ouais. Je te montre ça après. Dagada, gada. Oh, attends, mais j'ai pas de bouffe, j'ai pas de sol pour la bouffe. Ah, et du coup, il remplace par de la thune. Oh, ça me va. Ça me va. C'était de ce côté-là. Ici, là, dans cette grotte. Ici, t'as une grotte qui ensuite sort par ici. Et dedans, t'as un coffre, il me semble. Ce sont les gants d'escalade. Par contre, j'ai pas trouvé Jackie, hein. Par contre, j'ai pas trouvé Jackie, quoi. Ah, mais il est en face de moi. Pff, c'est bon. Ah, mais j'entends. Eh, hey, il y avait Noya ici avant, je me rappelle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il mourait. Qu'est-ce qu'il fout là? Le crêpe au miel. Ok. Je crois qu'on a un peu de miel. Trois rayons, j'en ai pas trois. J'ai pas assez de miel, d'accord. Du coup, elle est près de la crevasse. Oh, c'est loin, sa mère. Ouais, je peux faire ça, moi. Hup.
Vraiment, c'est le genre de montagne, on a trop l'impression qu'on est... Bah, hors map, en fait. Tellement elle est moche. Moche et vide. Vous savez, on dirait les gros murs qu'il y a dans les vieux jeux, là. Qui vous empêchent de partir à droite ou à gauche. En gros, qui vous laisse dans le couloir, quoi. On dirait ça. Da 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 to be do da da da. Bon, le miel, c'est pas ici, je crois. Il y avait une grande fée ici avant. Hein. Non, bah là, on va éviter de faire ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte cher. Il y a un corbeau dans le coin, j'aimerais bien le trouver. Mauvais choix. Vu. Nanana. Ah, je peux récupérer ma flèche si je veux. J'y vais, hein. Ça coûte du pognon la flèche. C'est ma flèche. Tu me la rends. Oh, je suis si radin que ça. Franchement, je suis si radin que ça. Ah, il semblerait. Ouais, mais j'ai pas d'armes pour couper là. Même. On fait encore un. Bien que je crois que j'en ai trois, mais... Il n'y a pas tant de miel que ça. Hein. Genre, c'est pas si vénère. Il n'y a pas des masses. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as pas intérêt à tomber, quoi. Ah, t'as pas intérêt à chuter, quoi. À choir. Hein. Tu choisis, c'est fini quoi. Ok. Ça fait 3, on retourne là-bas. T'as pas un téléporteur plus rapide? Non. Il doit y avoir un sanctuaire là-bas, ouais. On peut voir un peu. Oh, peut-être pas en fait. Sinon, on le verrait. Pas de sanctuaire. No sanctuarino. No sanctuarino. Ok. Oh, la bombie. Ouais, d'accord. Bien joué, Zekette. Très belle flèche, en tout cas. Très, très, très belle flèche. C'est un gros goût, ça. Non? Eh bien, non. C'est un caillou. Ta-da-da.
Merci pour la thune. Est-ce qu'il va rentrer du coup? Bah voilà. Ok. Bon, on va retourner voir le Shadow Quest. On y retourne. Je vais y aller à Patch, je pense. Je vais y aller à Patch, comme ça, si j'ai manqué les trucs sur la route, on va les faire. Je pense pas avoir raté grand chose, ceci dit. Nope. Ça a l'air plutôt propre. Je suis actuellement ici sur la map. Mais je crois que j'ai pas fait grand chose ici là. Juste dans Nekuda. Jamais ici. Ah, t'as pas tant exploré que ça, ouais. J'ai pas déjà fumé, hein. Ah, quand j'ai déjà fait ça. Oh là, il y a un gros monsieur là-bas. Je crois que si, c'est un camp que j'ai déjà fait, ça. J'ai quand même envie de la refaire, il y a des gros monsieur là. Je propose quelque chose avant toute chose. On va se mettre bien. Parce que là, j'ai un peu peur. Là, j'ai un peu peur. Ça fait cher payer. Ça fait cher payer le tank. Hein. Non, non. C'est un peu cher payer. Pas le radeau. Non, on va faire un truc simpliste hein, qui coûte pas la peau du cul. J'arrive pas à viser. Au secours. Dangereux ça. Comment j'ai autant de batterie? Ben je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Comment j'ai fait? Ben comme ça. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai passé ma vie dans les souterrains quoi. Et j'ai buté tous les boss à chaque fois et du coup j'ai chopé plein de choses. Ouais ouais, les souterrains j'ai exploré quoi. Ouais, j'ai un peu exploré les souterrains quoi. Je me suis baladé quoi, on va pas se mentir, je me suis baladé dans les souterrains. Du coup on a de la batterie ouais. Ouais c'est la S toi, moi j'aime bien moi. J'aime bien là-bas. Lui, ça me vénère, je crois. Oh, il se planque, c'est ouf.
Oh, genre ça touche pas. Bravo. Bah bravo. C'est dégueulasse. Putain. Pff, c'est vraiment dégueulasse. Je gère bien mon move et là je vais devoir tout refaire. Pff, ça me fatigue un peu ça par contre. En fait je me fais one shot quoi. C'est hyper chiant de se faire one shot. C'est frustrant de se faire west comme ça à chaque H24. Ouais, et surtout ça spawn, je sais, je sais. C'est beau faire des moves sympathiques, le jeu s'en branle. It's one shot. Bon, on va recommencer à faire notre canon, sauf qu'on va mieux l'équiper. Pardon ? 8 cœurs ? Une flèche ? Ok. Pardon, excusez-moi, j'ai voulu faire un truc intelligent. Ça m'a dit non. On va défoncer quand même. Hein. Mais bien sûr. Je peux rien faire, hein. C'est la guerre, hein. C'est la guerre ici, hein. Il est pas tombé, lui. Oh, c'est la guerre, hein. Oh, au secours, hein. Et mon truc il s'est barré, c'est ça? Ah bon.
Ouais, c'était compliqué, hein. Ça, j'aime bien ça. Ouais, il en reste un par contre. Il en reste un et j'ai pas trop envie de mourir. Donc ce que je propose, c'est manger quoi. On va manger des trucs qui sont inutiles. Là, je suis discret, t'as vu. Où est mon truc là? Où est mon armement? Où est mon canon magique? Ok, il est là. Ah, il était là. Ah, il a disparu. Trop marrant. Ouais, j'ai tout pété, hein. On va pas se mentir, j'ai tout pété, hein. En fait, ce qui peut mourir en fait, parce qu'il a du point de vie, je comprends rien, mais je veux qu'il meure en fait. Oh, putain, ah bah ouais, ouais, ouais. Épée tolissante, c'est quoi? C'est pas fou, je crois. Hein. C'est pas fou. C'est vrai que j'ai mon épée de légende, hein. Ce serait bien que je m'en serve, en fait. Des fois que ce soit vraiment trop stylé, faudrait que je m'en serve, en vrai. Ok, donc là, on a une arme assez vénère. Et voilà. C'est vrai qu'on a une épée de légende, hein. Ça peut être sympa, hein. Ok, on a fumé tout le monde pour rien parce que j'avais déjà tué tout le monde ici, mais il y avait des compos sympas. Je l'avais pas encore pris. Il est renforcé, Osef. Retournons au camp là-bas. Au relais. Où est le relais? Ok. La 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 la. Quelle belle épée. Ah. Oh. Bon, on va voir la grande fée là, je m'en fous moi tout ça. Oui. Est-ce que leur caddie est toujours baisé? Mais quoi encore? Pour réparer le pont? La rivière? Ouais, c'est prévu. Ouais, ouais. Par un pont quoi. Oui, donc le pont est cassé, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un autre pont. Logique. Le pont est cassé, faisons un autre pont. Mais il y a plein de trucs là. Bah ouais.
attendez. On va le faire flotter. Les gars, on va le faire flotter le truc. Y a aucun problème là-dessus. On va le faire flotter, y a pas de soucis. Vraiment aucun problème. Si ce n'est la planche qui m'a cassé les couilles là. Ok. 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 Maintenant, faut qu'on souffle. On va s'en sortir, les gars. Normalement, c'est ok, ça. J'ai quand même peur que ce soit un petit peu lourd, ceci dit. Prends la batterie tant qu'à faire. Ouais, c'est pas mal. On va mettre une petite voile peut-être. Bon, ça va être chiant parce que si le vent est pas du bon côté, ça va casser les couilles. Pas de voile. Ah mais si, une voile. Attends, je comprends le principe d'une voile évidemment. C'est dans ce sens-là qu'il faut la mettre, si la voile tourne vers la gauche. Faut que je mette le vent qui souffle dessus. On est d'accord. Genre comme ça, là. Ouais, alors, non. Ouais, c'est ça. Et là, on est une fusée normalement. Ok. Est-ce qu'ils vont réussir à monter dedans, d'ailleurs? Ouais, ils ont réussi. Normalement, c'est un joli bateau, ça. Par contre, ça va bouger un peu. Ouais, ok. Bien ce qui me semblait. C'est de la merde embarquée. Par contre, c'est pivotant leur truc là, c'est relou. Ouais, mais c'est relou cette histoire là, leur planche là. Pourquoi ils tournent leur truc là? Alors, ça peut pas coller les deux côtés par hasard? Ouais, le moteur est à l'envers, mais si je mettais la voile, c'était pour souffler dans la voile. Mais ça marchait pas. Mon œil qui gratte au secours. Putain, quelle chaleur. Ah, la petite Zikmu. Deuxième fait, c'est le gelé qui me démange.
Allez, Gertrude. Mais la clim. D'ailleurs, Damien, il faut que je joue avec toi, mais tu crois que tu pourrais. On pourrait l'amener ce week-end ou pas? Ou c'est compliqué. Coucou Lionel, bonsoir. Bonsoir à toi, comment vas-tu? Fan de Yoshi, je suis pas sûr. Hein. C'est Mario, moi je vous le dis, ce mec, c'est Mario. Hein. Chez moi là. Si tu veux. Mais ça me paraît compliqué ce week-end avec. Au pire, ouais, tu. Ce qu'on fait sinon, c'est que le temps de. Comment dire? C'est que quand tu vas chez Jérém jeudi. Mais après, ça te fait beaucoup, toi. Hein. Surtout que tu vas tout seul. Tu vas tout seul, t'auras deux colonnes, puis t'as la clim. Et après, en me ramenant chez moi, on embarque la clim, mais c'est assez compliqué, je pense, non? Là, de toute façon, j'ai acheté un film anti-UV à mettre sur la fenêtre. Je vais acheter des moustiquaires aussi. Ouais, la clim, c'est toi qui l'as, Damien. Enfin, elle est toujours là dans la chambre. C'est pour ça. Ah non, chez Jérém, il n'y a pas de clim. Chez Jérém, il a la clim intégrée, lui. C'est bon, on n'aura pas chaud chez lui. Du coup, c'est pour ça, mais faudrait qu'on se démerde pour la prendre un jour. Mais ce week-end, ça me paraît compliqué. Sauf si c'est ok pour toi. Je sais pas comment on peut s'arranger dans ce cas-là. Sachant qu'elle est un peu lourde à te remporter tout seul. Bah c'est bon, je te l'emmène quand je viens te chercher. La voiture est vide. Oui. Mais c'est pour la porter, hein. Tu vas galérer. Enfin, en tout cas, tu vas galérer à la sortir du coin. Parce que tu sais, elle est dans le coin, rappelle-toi. Elle est dans le coin, elle est chiante à sortir. On avait galéré à la mettre. Hein. Quoique là, après, on peut tout décaler parce que c'est assez vide. C'est pas très lourd. Bah ok, hein, si c'est ok pour toi, ça me va, moi. Là, on crève de chaud, là. La tunasse. Tu la récupères en bas. Ouais, je suis pas sûr qu'elle soit en train d'un seul morceau. Hein. Pas sûr. Ok, fais-moi vêtements. Ouais, fais-moi prêter ta douche chaleur. Ah, je te jure. Ok. J'ai mes yeux qui démangent. Trop bizarre. Attends, elle m'a fait un doigt. J'ai mal vu. Mais elle me soufflait pas dessus, elle m'a fait un doigt. Je reconnais. Ah, il faut porter tout l'ensemble. Ah. Elle m'a fait un doigt, hein. J'ai reconnu. J'ai vu un doigt, moi. Fais voir. Ouais, elle m'a fait touc. Moi, j'emmène tout chez GG le jeudi, donc je vois la voiture vide le vendredi. Ouais, mais ça t'oblige à passer par la maison le vendredi. Enfin, par la maison, ouais. Après, tu me diras, c'est sur la route. Hein. Enfin, la route, ça fait un petit détour, pas grand-chose, quoi. Bah, si c'est ok pour toi, ouais. Si c'est ok pour toi, ça me va. Bon, on fait comme ça alors. Ça, j'aime bien ça, on va l'upgrader. C'est pratique. Attends, j'ai l'œil qui me démange de ouf. Arrête avec ton doigt là. Ça le fait de merde. Fatigue. Il fait chaud, hein. Honnêtement, il fait très chaud. En fait, il fait chaud parce que, tu vois, le Velux, il est pas isolant du tout. Donc, il y a rien qui isole. En haut, il fait très chaud. Le Velux, il est pas isolant. C'est-à-dire que, du coup, le soleil qui tape toute la soirée, toute la journée dessus, ça chauffe de ouf. Le toit, ça va. Le toit, c'est froid, tu vois, le bois.
C'est vraiment le Velux par le grand toute la chaleur. Et malheureusement, pour l'instant, j'ai rien pour. J'ai pas encore le film UV que je vais mettre. Je sais pas si ça va bien marcher. Je pense que ça va bien marcher déjà quand même. Et ça chauffe de ouf au niveau de la fenêtre. Ah ouais, on va regarder ça, ça coûte pas si cher. Hier soir, dis-toi bien que dans toute la maison, il faisait 27-28 hier soir. Après, on aurait pu ouvrir en bas, mais on n'avait pas encore les moustiquaires. Mais si on ouvre, on se fait dévorer après. La suite de la clim, je verrai. Je verrai comment je me débrouille. Je verrai comment je me démerde. Ah ouais, non mais nous c'est dans la maison, hein. C'était 27-28, hein. Et hier soir, hein, en se couchant. C'était horrible. Hein. D'ailleurs, je t'invite, Damien, si jamais tu veux garder du frais au niveau des chambres, tu sais, qui sont face à l'école, là, de mettre des filtres anti-UV sur les vitres extérieures. En gros, tu pourrais en gros contrer le soleil qui tape sur la fenêtre toute la journée. Et ça chaufferait pas la pièce, du coup. Et ça chaufferait pas non plus le couloir. Et du coup, t'aurais plus frais dans l'appart, je pense. À mon avis, ça coûte que dalle, ça coûte 15 balles le filtre, je crois. Ça se met à l'eau, tu le mouilles, enfin tu laves la vitre, tu mouilles le truc et tu le colles dessus. Et ça devrait plutôt bien protéger le soleil, je pense. J'ai jamais pensé le faire. Ouais, c'est vrai, mais ça va. Ça, le problème, c'est que quand ça chauffe là-bas, au niveau du couloir plus les chambres, ça fait tout chauffer, quoi, au passage. Tout le couloir, ça chauffe. Bon. Il va manquer un peu de compo, tout de même. J'en ai pas eu beaucoup de les alphos de feu, donc prendre les queues, c'est compliqué. Ça fait bien de regarder un petit peu les stuff, hein, parce que, honnêtement, prendre des tatanes à 8 heures à chaque fois, ça fait mal. Hein. Du coup, j'ai évité de prendre des patates à chaque fois. Hein. Bon, au moins, je jouais mieux, quoi. Mais quand même, c'était pas évident. Il faut les fragments d'étoiles. Il m'en manque deux électriques. Ok. J'ai pas le shaker, moi, quoi. Ah, la contraire des Gerudo. Mais le problème des Gerudo, c'est que je suis pas encore allé, quoi. Bye! Ah, si, je peux peut-être y aller. On est pas si loin. Et on n'est pas si loin, je prends la tour là. Je prends le relais qui doit être à côté. Et let's go. Hein. On va faire ça. Je me suis autorisé le fast travel parce que sinon on n'aurait jamais fini le jeu quoi. Non pas que j'aime pas, hein, j'aime bien. Hein, le fast. J'ai envie de faire ça, il y a un colisée ici, je me rappelle. Je vais aller au colisée. J'aime bien hein, faire en fast travel, hein. C'est une expérience différente et c'est plutôt cool. Mais c'est tellement lent. C'est tellement lent, tellement, tellement, tellement lent. C'est vrai que ce soir on peut DL le jeu ça, Diablo 4. Hein. Faut que je le fasse. Faut tous qu'on le fasse avant d'aller chez Jerem, sinon on va avoir des problèmes pour jouer. Attends, il y a des flèches qu'on respawn là-dedans, c'est obligatoire, non? Ah, il y a aussi des mobs qu'on respawn. C'est un fou lui. Oh, j'ai la flemme. Pour quelques flèches, j'ai la flemme de les buter. Je l'ai fait ça? Je l'ai pas fait, je crois. Bon, on va le faire. Pas pourquoi je l'ai pas fait. Tellement grand, surtout, et puis il y aurait l'invoque du cheval partout, ce serait mieux. Ah bah ouais. C'est vrai que le t'as beau le siffler, il s'en bat les couilles. Le cheval des fois quand t'es trop loin. Du coup, c'est un peu osé le cheval. Hein. En vrai. T'as mieux fait de créer des véhicules. Je sais fait exprès, je pense, c'est pour que tu crées les véhicules. Pour éviter que tu fasses qu'appel au cheval tout le temps.
Le jeu est tellement grand, j'avoue. Bon. Je suis pas sûr, je crois que je suis en train de... Si, c'est là-bas que je dois aller. Il doit y avoir une méthode, je pense. Un véhicule? Oui, il y a un véhicule. J'ai pas une moto contre moi, pas encore, moi. J'ai pas fait le véhicule comme ça. Je pourrais, hein, j'ai des guidons. J'ai pas pris le temps de faire un véhicule de foule. Il y a des faits là-dedans. Ok, on va aller une. Ouais, ça vole trop vite. Évidemment! Évidemment, round! Attends, il faut tout que je paye tout seul, là? Attends, il faut que je paye tout seul, là? Je vais pas payer le booster ici, là. Je sais pas que ça va foutre, payez-moi. C'est un malade, lui. Ah bon, d'accord. Il y a les outils, il y a tout ce qu'il faut, là. Ouais, ouais, non, mais il y avait les deux. Oui, oui, mais j'avais pas envie, regarde. J'avais pas envie de payer. On a ça, là. J'avais pas envie de payer, quoi. Bon, j'espère que j'ai bien mis les trucs, sinon on part dans l'espace, mais... Ça va. Comment, c'est totalement fait pour. Aïe, ma main. Mais j'étais pas prêt, excuse-moi. Ouais, mais je l'ai pas encore construit. Je l'ai pas encore construit, ce qui fait qu'il faut forcément que je paye avant. C'est vrai que je peux payer avant, comme ça au moins après je paye Antonium. Attends, mais ça se dirige bien ça? C'est vrai que j'ai jamais essayé, j'ai envie d'essayer. Ça, ça se dirige bien, ça. Ah, mais comment tu les fous? Mais il fout ma gueule. Ouais, c'est par-dessous qu'il faut le mettre, hein. Oh, ça marche, non? Faut que je mette plus bas. Ok, mauvaise idée ça. Ça volait pas très bien. J'ai failli m'envoler dans le vide. Attends, ne me spoil pas trop, j'ai envie de découvrir tout ça à la construction là. Ça, c'était pas une mauvaise idée. Et comme il bascule, j'arrive pas à le tenir droit.
est pas loin. On est pas loin sur de la moto là. Ah, c'est un peu bancal mais... Ah. Elle est trop devant, oui. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. C'est raté, chef. Ma moto est... Oh non, je vais prendre la foudre là. Fous-moi la paix, la foudre. Je vais essayer de faire une moto, je vais essayer de comprendre. En fait, je bascule, faut pas que je puisse basculer. Donc là, je bascule parce que c'est trop droit. Oh là, c'est pas droit ça. Qu'est-ce qui cloche? J'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Je peux voir comment je me malade. C'est la route devant qui est dégueulasse. Enfin, c'est le... Arrête de rouler, relou. Mais... Putain, mais c'est casse-cou ça.
Ouais, je peux te monter avec, c'est sûr, et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit un... Bord du plat là. Ok, il y a du plat. Il y a des chevaux. Les gars, on va faire un truc qui vole parce que là on essaie, mais c'est pas facile parce qu'on a un peu nulos. Pour quand tu inclines vers le haut, ça descend et vers le bas pour monter. Ouais, mais ça, je comprends que dalle, moi. Je comprends rien, moi. Que dalle. Ouais, je galère un peu là, mais je veux un véhicule. Mais oui, mais qu'on se pas en pente, je vais pas me déplacer à chaque fois, moi. Supportable cette histoire. Eh, c'est pas dégueu ça. C'est pas dégueu ça. Mais non, de l'autre côté, c'est ce qui me semblait. Mais non, ça me fatigue. Mais putain, je comprends rien dans ma tête, hein. Décidément. Alors. Presque ça, il manque un angle, je crois. Il manque un angle. Celle de devant qui est mauvaise là, oui. Merde, celle de devant ou celle de derrière qui est mauvaise. Oh putain, je les ai fait. Place plus le gouvernail sur les bords et les cercles. Ouais, c'est que... Comme là, celui-là il est pas dégueu, bon il est un peu central. Oui, c'est l'avant que j'ai failli, là. Ouais, là, ça va être impossible. Attends, mais ça là elle est pas bien symétrique, en vrai. Si, si, ça va. On y est presque. Qu'est-ce qui va pas bien? Par l'arrière, en reculant le gouvernail de 45 degrés en avant, en arrière, et je l'ai collé sur le bord de la roue. Enfin, j'ai du mal à comprendre, mais je crois qu'on est pas loin là. Ah, c'est pas le bon collage que j'ai fait. Faut que je colle sur le cercle. Faut que je colle sur le. Ouais. Putain, c'est le bon axe. Hein. Il faut juste que je le décale un peu.
Ok. Y a un truc qui cloche là. Je crois que la voie avant est trop collée, ouais. Il y a un Korogu pas loin là, je reconnais. Quel enfer. Oui, mais j'ai encore raté le bord en fait. Je l'ai posé quasiment à mon droit tout à l'heure en vrai. En plus, elle est pas centrée, je crois. Pff. Vraiment là. Mais il va où là? Mais oui, mais nique ta mère aussi! Il va où notre sac à merde là? Il va chercher des mobs! J'en reviens pas. Ouais non, je sais totalement ce qu'il faut que je fasse. Sauf que j'y vois rien pour le coller, putain. J'ai raté l'axe, je crois. C'est pas le bon. Putain, j'en ai plein le cul. Ouais, nique-toi. Oh, quel enfer. Je veux un plateau, ta mère. Putain. Ouais, ils ont pensé à construire que c'est super amusant, etc. Mais putain, qu'est-ce que c'est ingérable en pente. C'est bien plus dur qu'un idée d'argent, ouais. Bien plus compliqué. Ouais, bon, nique. Bien plus dur, bien plus dur. Mais je suis vraiment trop naze. Eh oui, parce que je suis une putain de sa mère de pente là. Parce que le plat dans ce jeu n'existe pas, de toute façon, il n'y a pas un seul plat. C'est full plan tout le temps. Ça va pas, il faut que ça tienne droit en fait. Il faut que ça tienne droit en fait. Si mon truc est pas droit de place, c'est que c'est pas stable. Donc je peux peut-être m'envoler, mais c'est pas stable. C'est
c'est pas stable. Ah oui. Comment j'ai fait ça? C'est impossible. Pourquoi c'est tordu? Pourquoi c'est tordu? Pourquoi c'est tordu? Bah bien sûr. Je sais pas pourquoi ça, putain de raison c'est tordu. Oh c'est hyper chiant. C'est pareil, c'est pas droit. Mais je suis pas collé au centre. Ah, tu veux dire en extérieur? Ouais, c'est vrai que je suis trop. Bah oui. Ça, c'est saoulant. Bah ça se colle à côté, mais baisse ta mère. Vraiment baisse là ta mère le jeu. Il me fatigue le jeu des fois. On va se faire une moto, on va y arriver hein. Un jour les gars on va faire une moto. Mais non sur le côté parce que sur... C'est de la merde ça. Ton guidon vers le... Bah vas-y, 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 ressort. Ressort ça, camerde. Vas-y, 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 crache-moi dessus. Crache-moi dessus, enculé. Sors, enculé. Vas-y, crache-moi dessus en fait! Fils de pute, va! Supportable ce mob! Secours! Bon! Non, mais il est sérieux lui là? Ton guidon vers le. Oh, pas le bas. Attends, mais tu veux dire que du coup le guidon est droit? Non, mais. Ah oui, c'est plus simple. Ouais, mais c'est jamais droit, parce que c'est jamais centré, parce que c'est de la merde. Centré sur un rond, c'est impossible. Putain. Là, c'est centré, non? Il veut pas le centrer, il veut pas le centrer. Il sait pas faire, en fait il sait pas centrer. En fait le jeu il a dit non pour le centrage. Il a dit non, moi j'ai pas envie moi. C'est pas droit hein. Mais ça suffira hein. Attends mais il est assez incliné là.
Ça marche jamais de la vie, ça. Ah bah. Ah, c'est marrant parce que comme ça elle avait pas l'air sur le côté. Ah, on a une moto, ça y est. Ça y est, on a la moto. Ah. On a réussi à faire la moto. Ah. Oui, en fait, moi, je l'ai collé beaucoup trop tout à l'heure. Ah. Ah. Ah, on a réussi. Coucou fait-il, Re-Samuel, Re-Coucou, comment ça va? Comment allez-vous? C'est trop, je crois que j'attendrai pas. Ah bah t'as bien raison de te balader comme ça. On n'est pas très droit. Bon. J'atteins pas, je crois. Ça restera comme ça. Alors, on a la tomo, ça y est. On a la moto. Favori. Pas le bon bouton. Ah. Ils ont craqué quand même faire une liste. Qu'est-ce qui n'a pas de guidon? Parce que sans guidon, c'est de la merde. Ok. Yo Sardam, coucou! Bonsoir à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu respires le bonheur, Sardam! Ouais, mais tu vois quand même rien, il faut mettre des phares plutôt. Avec le phare, tu vois mieux que la plante lumineuse sur ta moto. Parce que tu vois juste autour de toi, toi tu veux voir en face un peu quand même. Sinon tu prends un mur quoi. Ça va bien, Stardam, tranquille. Tranquillamente, si, por favor. On grimpe là-haut. La grosse il mine bien, c'est vrai, ouais. On va aller faire le boss là-bas, tiens. Ok, nous y revoilà. Oui, donc en fait, ça, ils veulent partir vers où avec ça? En diagonale, ouais, ils veulent grimper là-haut, je pense. Hein. Et moi, je vais d'abord aller là-bas. Ça progresse, ça progresse. On est à ça sur la map, on n'a pas beaucoup, on sait pas... On n'a pas encore fait beaucoup de quêtes, d'accord. On a commencé à voir les grandes fées, ça fait plaisir. Et à les sauver, en fait. Du coup, je peux améliorer mes vêtements, c'est cool. Sinon, on s'est bien baladé, quoi. Fondeur, ça va. Voilà, quoi. On s'est baladé. On a fait une progression concentrique, hein, en partant du champ du sang entre des hulles. Mais on se marre bien, quoi. On a fait une moto, là, on a galéré à la faire, tout à l'heure. Mais la moto est là.
Et maintenant, j'ai mon moyen de transport, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et là, on va aller fumer Patrick, là-bas. Je sais pas où il est. Eh, il est... Bon, il est pas si loin. Ah, la moto du futur, hein. Ah oui, d'accord. Casse pas la moto, j'en ai besoin. Raté, chef. Toujours fait aucun donjon, ouais. Fuis la merde, l'arme. Elle pue la merde là. Okay. La Tomo, ouais ouais c'est la Tomo. La fameuse Tomo quoi. Ça marche, hein? Je crois pas, hein? Mais je savais pas que ça marchait. Les gars, je savais pas que ça marchait, ça marche jusqu'à quand? Je savais pas. Voilà pourquoi il faisait pas de dégâts alors. Elle va en faire un peu plus là. Trop marrant ça. Elle fait des packs avec juste un dossier pour la config que tu veux avec tout. J'ai vu, ouais, faudrait que je regarde. Il y avait le chest aussi, hein? Ouais. Attends, c'est ma moto ça. C'est dommage de la perdre. Pardon. Bah ça c'est pour remonter je pense là-bas. Des trésors que ça se trouve c'est des trésors que j'ai déjà pris hein. Ouais, c'est pas impossible hein. C'est pas impossible hein. Ça souvent c'est des îles pour remonter. Des trucs comme ça, pour remonter ou pour aller d'un point A à un point B. J'ai quelques bugs visuels, ouais mais c'est pas hyper gênant hein. En vrai c'est vraiment pas gênant quoi. Aux F de ça. Non aux F. J'ai ma bécane. J'ai ma bécane, ouais ouais. Oh y'a un Korogu là-bas. Y'a toujours un Korogu qui traîne. Par contre pour s'arrêter c'est un peu galère. Pas encore, non. J'en ai pas eu. Je sais que ça existe, en ce moment, je me doute que ça existe, mais j'en ai pas eu encore. Non. Ouais, ouais. Tiens, on va payer un peu. Ouais, pour la toupée, c'est l'éjection, ça j'ai bien vu. Après, elle s'arrête bien, elle tombe. Donc, du coup, t'es pas obligé de la chercher longtemps. On n'est pas des gros là qui traînent? Il y a beaucoup trop d'items dans le jeu. Si j'en ai.
Allez, zou. Bah oui! Bah évidemment, connard! Je crois qu'il y avait que de la merde ici, non? Il y a des ah non, les fusées, c'est bien. Ah, il y a les roues pas motrices, là. Il y a un phare. Projecteur, ouais. C'est de lance-flamme qui me manque. Il faut aller de lance-flamme, encore en rab. Faudrait que j'aille en chercher, en vrai. Ok, bon. Là-bas, on peut y aller. Là-bas, il y a un korogu. Là-bas, il y a le temple. Je vais lâcher la moto, tant pis. Tu regardes pas les grosses orbes pour refiler tes batteries. J'en ai tellement. C'est vrai que je pourrais les garder, mais j'en ai tellement, je m'en sors quasiment pas. Mais les véhicules ils despawnent de toute façon quand tu vas trop loin, non? Ah, mais peut-être pas la moto justement, parce que c'est que les trucs qui despawnent pas ça. Et ouais, y a pas de surface. Mais c'est de la triche ça. Cette bicyclette c'est de la triche. Et ouais, c'est parce qu'il y a pas les supports qui despawnent là. Genre la montgolfière, le plat. T'inquiète qu'ils vont corriger, hein. Ils vont faire en sorte que le gouvernail despawn dans une mise à jour. Je crois que c'est pas volontaire qu'on puisse avec un seul véhicule faire ce qu'on veut. Hein. Parce que je sais que le planeur il despawn, enfin les trucs qui me permettent d'aller trop loin despawn. De sorte à ce que tu fasses pas le tour de la map avec. De toute façon ma moto elle va despawn quand j'entre au sanctuaire donc aux F. Attends mais y'a un monde où je m'emmerde pas là. Oh, ça a bugué, c'est pas normal. Alors je corrigerai ça, mais c'est pas censé bugger. Alors je corrigerai, mais c'est pas censé bugger. Le problème c'est que je peux pas le faire maintenant, sinon je prends des risques de faire crash. Faire crash live quoi. On va voir si on va pas niquer la balance avec ça. Je pense qu'on va niquer un peu le poids et du coup on va avoir du mal à voler. On va essayer, c'est peut-être dramatique. C'est peut-être dramatique, écoutez-moi bien. C'est peut-être dramatique. Mais j'ai envie d'y croire. Le plus équilibré serait ici, hein. Sur le guidon, mais c'est compliqué à diriger, quoi. Là, je l'ai passé pas trop dégueulassement. Ah ouais. Je pensais qu'il serait droit, mais pas du tout. Pardon, mais je peux pas monter sur ma moto? Mais pourquoi? C'est chaud le poids. Je suis un fou. Hein. C'était compliqué à équilibrer. Hein. C'était un peu compliqué à équilibrer. C'était très compliqué parce que le truc il était comme ça, il voulait partir en arrière. Hein. Ah, il était compliqué à équilibrer. Hein. Par contre, faut que je retourne là-bas, j'ai peut-être raté un coffre. De toute façon, dans ce genre d'île, il y a souvent aussi des vœux de sages, je crois. Donc il y a sûrement un vœu des sages que j'ai raté. Il y avait deux îles aussi encore, donc quoi. Donc à voir. Allez, file-moi ta batterie. La batterie, la batterie, la batterie. La batterie, la batterie, la batterie. Pas du tout. Diamant brut, ça je le vends en marchand. Palek. Palek, je vends en marchand.
C'est vrai que c'est peut-être plus stable, ouais. Mais après, ça change rien parce que, à partir du moment où tu mets du poids d'un côté ou de l'autre, il faut que tu équilibres de l'autre côté pour calibrer, tu vois. Donc en vrai, même tu vois, si je l'avais mis devant le ventilateur à gauche et à droite de moi, avec le truc à droite, ça aurait été un petit peu déséquilibré d'un côté. Donc si je pars trop vite à gauche ou à droite, bah je tombe quoi. Je crois que ça m'aurait fait la même chose. Hein. En tous les cas, faut gérer avec son stick pour équilibrer, hein, faut pas partir trop d'un côté quoi. Donc là, il y a sûrement un coffre, je m'en doutais un peu. Bien, bravo. Non mais bravo Zekette, hein. C'est le bon bouton, il n'y a pas de souci. Vas-y, j'ai la flemme là. Je voulais le caler moi, Voilà, il est calé. C'est exactement ce que je voulais. Non, c'est pas... Oui, bah du coup, oui, c'est vrai que si t'as plus de pression vers le bas, c'est moins à même d'aller à gauche, enfin de se faire pousser à droite ou à gauche. Mais le problème, c'est ça change rien, c'est que... Bah, quoi? Pardon? Pardon? Ma gueule. Le truc c'est que tu vas vite aller en haut mais tu vas pas pouvoir trop te diriger quoi. À partir du moment où tu vas vouloir te diriger à gauche ou à droite, si t'as du poids qui est trop d'un côté, tu dois faire attention quand tu vas sur le côté où il y a du poids. Y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est de la merde, c'est tout. Ah j'ai fait une masse ouais. Trop marrant quand même. Ok. Donc. Il reste des petites choses à faire tout de même. Il reste le Korogu là-bas, il reste l'île là-bas où je pense qu'il doit y avoir un vœu de sage quelque part. C'est fort probable. C'est fort probable. Bonne sortie de Green Took. C'est où ça? C'est loin par exemple? Non, ça c'est une autre... Il y a une tour en bas, ouais c'est ça. Bah j'ai un peu envie de tricher là-bas, parce que je crois qu'il faut venir, faut se propulser, mais j'ai la flemme. Je vais faire une moto, hein, vous savez quoi? Eh, vous savez quoi? Je vais faire une moto, hein. On part sur la moto, hein. Surtout que j'ai pas mal fait les profondeurs, donc j'ai pas mal de somium. Alors... Non, du coup... Oh, je crois que de toute façon, on peut pas faire apparaître la pierre, mais bon. Mais qu'est-ce que je fais? Ma moto! Putain, elle est à l'envers à chaque fois. Ça dégoûte. Et la bicyclette! Oui, c'est ma bicyclette! C'est dangereux. Oui, c'est ma bicyclette. Ah, je me suis propulsé. Non, non, pas dans la flotte. Oh, trop marrant. Ouais, j'ai raté tout le poisson. Y'a vraiment rien ici, là. Ça m'étonne un peu. Ah, ici, y'a quelque chose. Bien sûr que si. Faut tirer la chasse d'eau. Ah ça arrête de... Ah ça se re-remplit du coup. Bah ouais. Bah ouais, c'est chiant. Bah ouais, non mais c'est chiant. Non, non, mais ouais.
Ouais, bah oui, il y a manqué en fait. Ah bah oui. Ouais bah oui c'est chiant. Ouais ouais. Ouais c'est relou ouais. Bah super en fait. On m'appelle le mec violent. Oh la violence. Oh la violence du truc quoi. Oh la violence. La baguette magique. Baguette magique. Alors, par contre. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai pied? Écoutez, pas encore, mais on va avoir pied en très peu de temps. Une question. Ah oui, mais attends. Ah d'accord. Je savais pas ça. Relou. Bon j'ai mieux à faire que ça mais bon. J'aurais pu tricher mais bon on va pas tricher. Bon je peux clairement le prendre. On peut clairement tricher hein. On va tricher parce que j'ai la flemme. Oh. Oh ça va, c'est fast. Le feu des sages, c'est maintenant? Bien sûr. Bien sûr que c'est maintenant. Oh les pauvres poissons. Oh les pauvres poissons quoi. Les pauvres petits poissons, ouais. Est-ce qu'on n'y allait pas là-bas? C'est un peu loin tout de même. Moto des spawns, je suis parti trop loin, c'est ça? Ah, c'est là où il fallait prendre le bois, aux œufs. Ouais, pour les faire prendre, c'est compliqué. Et la moto a 10 pires, évidemment. J'ai quoi comme arme? J'ai l'épée de légende. Sinon, j'ai quelques armes sympatoches. Qui font, voilà, petites armes sympas. Quoi. Une arme de feu pour me réchauffer, une arme de glace pour me refroidir. Voilà, des trucs sympas quoi. Des trucs qui nous permettent de nous balader sans trop se prendre la tête à chaque fois à faire du menuing. Donc là, est-ce qu'on se barre ou est-ce qu'on triche? Parce que là, on peut genre se rebalader. Il y a une île là-haut à aller faire. Avec un Korogu. Je pense qu'on va aller la faire. Je pense qu'on va aller la faire. Niveau bouclier, je suis pas dingue. Les boucliers, ils se cassent trop vite en fait pour que ce soit intéressant. Pour en avoir plein. J'ai pas encore le bouclier ilien. J'ai des boucliers qui font des éléments aussi pour brûler un peu les choses, des trucs comme ça quoi. Pas la meilleure chose ça pour le point mais bon. C'est intriguant ça là-haut, j'ai envie d'y aller.
Ah non, ça c'est notre île ça. Pardon, mais c'est dangereux, monsieur. Ah, c'est trop dangereux. Oh punaise, c'est un malade. Ah, j'ai envie d'y aller, mais c'est beaucoup trop, quoi. Il y a un petit Korogu là-bas. Jérimo! Ça va, c'est pas si pire. Je vais pouvoir grimper finalement. Est-ce que je paie? Mais après il va y avoir du soignant là-haut, mais si je vais monter. Si je vais monter en fait, je vais tout perdre. Vas-y, on part du principe que c'est rentable. On part du principe que c'est rentable, d'accord? On part du principe que c'est rentable. Je vais pas aller de l'autre côté, ça serait de la triche. Faut que j'aille à la tour après, mais il y avait la fée, je crois, en bas. Attends, mais c'est comme... Oh, les gars, faut que j'aille au sanctuaire là-bas, au labyrinthe. Est-ce que maintenant, on a la strat pour retourner au labyrinthe. On n'avait pas réussi à monter. Les gars, c'est ma moto. Hein. Les gars, c'est ma moto. D'accord? C'est ma moto. Vous avez vu comment je l'ai récupérée? C'est la mienne. Ah, il y avait un coffre. Oh, j'ai bien fait de venir. C'est ma moto, bordel de cul. Et quoi encore? Eh, je suis pas venu pour rien ici. Mais comment on y va en vrai? Sans... De manière normale, quoi. Il y a tellement de trucs là-bas. Pff. Tellement. Ah ouais, je sais pas trop comment j'y monte ici. Hein. Ah si, bah par au-dessous là. Hein. Ah bah complètement par là. Hein. Ah, il y a une dinguerie à faire et on monte si haut qu'on peut atterrir ici. Je crois que c'est ça. Hein. Bon. Et ils vont tous casser la gueule en bas les trucs. On reconnaît ça. Link le vénère. C'est du caillou, Link, calme-toi. Hein. Link le vénère quoi. Ok. Quelle est donc la strat avec la motocyclette? Je retournerai bien là-haut quand même. C'est loin, par contre c'est genre méga loin quoi. Pas à côté. Ça j'ai fait je crois. Je sais pas si ça j'ai fait. Non, fallait que j'aille à la fée au-dessous. Ça j'ai pas fait. Mais ça j'ai pas trop compris à quoi ça servait encore. J'ai dit que je faisais ça. Et ensuite j'ai dit que j'ai rien à faire. Ce qu'on va faire. On va faire ça, on va pas tricher 50 fois avec la moto. La moto, la moto. Merde, il est où le truc? Il est plus bas. Ouais, il est dans les nuages. D'accord. Ça a fait être un échec, hein. Ok, je suis venu ici pour un. Du coup, pour la commande multiclonage, on me rend mes points ou pas? Tes points seront rendus, ouais. Je te les rendrai après. Ils seront rendus, ne t'inquiète pas.
Si un modo est là à côté qui entend et qui peut rendre les pions. Mais faut que je corrige ça quoi. Ça sera corrigé dans tous les cas. Ok, donc là on se pointe là-bas au Colisée. Oh, faut les prendre en photo. Ah, oh, il me spoil. Je savais pas. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Nana qui lit le Ilien. Le vieux Ilien. Ah ouais, bah tant pis. Hein. Bah, je les prendrai en photo la prochaine fois. Hein. Je l'ai fait ça ou pas? Je l'ai fait ça ou pas? Eh, je l'ai pas fait ça, si. Mais si, je l'ai fait. Y'a personne. Ah si, je l'ai fait. Est-ce qu'on triche allègrement? Ou est-ce qu'on fait la route à pied? On va faire la route en trichant. Ah bah d'accord. Il y a un dragon maintenant dedans. Ah ça me tente pas tant que ça. Hein. Est-ce qu'on tente quelque chose ou est-ce qu'on tente pas quelque chose? Parce qu'il risque de nous défoncer le cul. Hein. Moi j'ai peur. On peut tenter, mais il va nous faire du mal. Hein. Après, on peut se planquer pas mal de fois, donc il est moins galère que le précédent que j'ai vu. Merde. Bon, ben on est dedans. Hein. Ouais, j'ai pas sauvegardé. On va dire que c'est sauvegardé, quoi. On sait que ça tire trois trucs différents, ça. Planqué derrière un poteau par contre. Pas le temps, putain, c'est une blague. Link, relève-toi. C'est ça que ça marche. Oh, c'est une blague, putain. Ouh, on la paix avec mon arc. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais pas ce que j'ai pris. Je sais absolument pas ce que j'ai pris. Je me suis fait défoncer, j'ai pas compris. Mais la foudre, comment ça j'ai pris la foudre? Alors, avec que du bois? Pas pourquoi j'ai pris la foudre. Hein.
Ah, d'accord, il y a Fuller Pif qui pop. Hein. Mais... Il est mort. Oh, je les ken. Oh, je les ken. Oh, je les ken, c'est le premier que je ken. Après, l'arc il m'aide un peu, quoi. L'arc il m'aide un peu. Hein. C'est pas pour rien que je suis aussi des linelles blancs. Hein. Eh oh, avoir des arcs pétés, quoi. J'ai pris la photo. Bon, on le retournera, c'est pas grave. Une arme pour augmenter prodigieusement son attaque ou servez-vous-en. Ça, ça peut être fort, ça, en vrai. Parce que du coup, ça fait une arme de foudre. Trop stylé. Ouais, j'oublie les photos, moi, à chaque fois. Putain, ça me dégoûte. Hein. Ça va, il y avait encore une aile à côté. L'aile se prend pas en photo, apparemment. Ah, l'aile, elle a pas le droit de prendre... On l'a fumé, par contre, c'est quoi la récompense si ce n'est juste de tuer l'ennemi? Parce que moi je trouve ça. Ah, il y a un coffre là-bas. Et vous? Pardon, vous avez vu un coffre comme moi? Excusez-moi, vous avez vu un coffre comme moi là-bas? J'ai vu un coffre. J'ai cru voir un coffre ici. Je vous jure, j'ai vu un coffre ici. Pourquoi j'ai vu un coffre ici? Attends, on peut me clipper le moment où j'ai regardé là-bas et que j'ai dit il y a un coffre là-bas? J'ai cru voir un coffre. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis mes yeux? Mais le coffre était argenté. Avec les dorures en gold. Attends, je suis bourré ou quoi? Ouais, je l'ai eu, Samuel. J'ai vraiment vu un coffre, je suis bourré, je crois. Bon, y a vraiment rien. Ça me rend triste. Ah, y a pas vraiment rien. Ça me rend tristoun, ça. C'est pour ça que les hordes de chauves-souris ne t'attaquent plus, comme avant. Parce qu'en fait, si elles t'attaquaient comme avant, tu serais rempli d'œil de chauves-souris et ça serait trop facile, le jeu vidéo. Parce que les yeux de chauves-souris, c'est quand même assez fort, en vrai. Y'a vraiment pas de coffre, je suis très tellement déçu. Tellement déçu, les gars. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de cadeau. Je veux un cadeau, moi. Je peux pas tuer un dragon pour rien. Filez-moi un cadeau. Ouais, c'est assez fort, je trouve. Pour le coup, parce que j'avais déjà essayé, mais je trouvais ça laborieux et long parce qu'il faut faire quand même beaucoup de dégâts. Mais là, j'ai un gros arc, donc ça allait. Tu le fracasses en vrai, hein. Honnêtement, les têtes, elles font plus trop chier. Hein. Je pensais que les trois partiraient au même endroit, mais en fait, les trois s'espacent un peu. Donc finalement, c'est tellement pété avec un... Avec cet arc, là. D'ailleurs, je les équiperai pour pas le cramer, là. Tellement fumé. Il y a vraiment rien. C'est triste. Il y a vraiment rien, en fait. Pourquoi je monte à pied quand on peut stepper maintenant? Oh. Bon bah salut hein, on est venu pour rien, pour plaisir. Même pas de Kourougou, rien. Que dalle, le vide, le néant. Très content. Ouais mais je l'ai pas Samuel. Ah si, je peux me mettre en... Ah non, j'ai toujours pas. J'ai pas fait la quête, je crois. Ah moi j'en ai tué deux, hein. J'en ai tué un dans les profondeurs et un sur la terre ferme. C'est quelque chose hein. Ah bah tiens bah... Allez, rendez-la moi l'épée. C'est mon épée, j'ai payé, bordel. Ah, ok. Ah,
Ça va, il compte casser tous mes boucliers en fait. Non, parce que s'il compte péter tous mes boucliers, il me le dit, hein, il me prévient à l'avance. Moi, je. Voilà, je. On fait en sorte que voilà, il mette au courant en fait. Comme ça, y a pas de problème. C'est vrai que j'ai des photos à prendre, putain, j'y pense pas. Hein. Ça rend dingue. Ça rend dingo. Est-ce que j'ai une arme à... Pas un bâton là? Est-ce qu'il n'y a pas un bâton? Et une arc nul. Il n'y a pas de magnifique bâton. Non, moi faut que je la remplisse, moi j'oublie à chaque fois. Ça me fatigue. Ah, il y avait un bâton là, je suis un gros con. Bon, ça, je suis full. Ah, parce que l'épée compte pas comme une arme, d'accord. Les gens, elle prend pas de slot. Elle ne prend pas de slot. Non, non. Elle ne prend pas de slot. Oula. Bon. Elle a son propre slot, exactement. Discrétion plus 3, mon cul sur la table, ouais, il m'a pas raté le moment. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a voulu, il m'a vaincu presque. Ah, oh, il y a Pancartman. Alors, réfléchissons vite fait. Qu'est-ce que c'est que ce cheval? Hey. C'est Caleb? Ah, c'est pour le bruit, ok. Ah. Elle peut renforcer les fringues, c'est vrai. Oh. Ok. Bah, j'y vais de toute façon après. Alors, il faut... Mettre un peu de poids sur les côtés. Et ça tombera jamais de la vie. Allez mon gars. Là je jonque la pancarte. Et ouais mon gars. Et ouais mon gars. Easy, easy comme on dit. Tu t'effaces hein, dis donc, facile. J'ai tellement chaud, ça se voit sur ma tronche que j'ai chaud. Pété 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 pam. Pété 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 pam. J'ai tué un dragon. Fier de moi. On ira voir la fée après, on va d'abord aller au village et au sanctuaire surtout. Ouais bon je l'ai raté. Sanctuaire qui est exactement au même endroit que le sanctuaire d'avant. Pardon ? Excusez-moi, je viens de capturer Bambi là. J'ai vraiment capturé Bambi là. Non. Non, j'ai capturé Bambi là. Attends, on peut le ramener à la base genre. Merci, mais moi je veux poser mon Bambi. J'ai capturé Bambi.
Ah, c'est pas un cheval. Ah bon, d'accord. Ok, ok. Non, mais je pensais que j'aurais pu le prendre, quoi. Putain, j'ai capturé Bambi. Ouais, bah j'irai voir la grande fée après. Il avait une quête, lui. Donc le mec, il est capable de fixer un panneau tout seul. Par contre, il faut l'aider à lui faire tenir son putain de panneau. C'est ça. Parce qu'il est incapable d'être intelligent et du coup de commencer par le bas. Il commence par le haut et puis après, il met sur un piqué, cet idiot. Puis des fois, il choisit des lieux, c'est un peu particulier quand même. Genre pas très rentable. Brûle-le. Ah, c'est ça. Oh. Les cheveux squelettes, si, j'ai entendu parler. Tu veux une photo, c'est ça? Ah, il s'apparaît la nuit. Ouais, je sais où c'est. C'est là où chercher le cheval blanc à chaque fois, je m'en rappelle. On peut donc en acheter un cheval ici, squelette. Sympa parce que je fais un squelette, je crois qu'il est gratuit pour monter dessus. Tu sais comme en bas. Bon bah je vais lui ramener un cheval squelette dès qu'il flotte. Oh Korogu, Korogu, Korogu. Ah c'est tous les trous du cul ça, non? Ah non! C'est les arbres. C'est la carte des cerisiers, ouais. Et en fait les cerisiers quand tu as le... Comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle. En gros, tu as le monsieur en... Enfin, l'animal en lequel il veut se transformer, l'autre con, avec ses masques, là. Et quand tu lui parles, il t'indique toutes les grottes. De la map. Incroyable. Le Satori, voilà. Là, j'ai déjà fait ça. Enfin, déjà vu, hein. En vrai, c'est intéressant. Ça affiche les cartes, c'est sympa. Ferme-la avec ton oeil. Y'a du monde ici, hein. C'est vivant ici, hein. Route en direction du sud-est, on arrive dans un endroit qu'on a surnommé le berceau d'Hyrule. C'est le plateau du prélude, je reconnais. Y'a donc un abîme en haut, ouais. Bah tu montes. Et t'arrêtes de faire chier, sac à merde. Je trouve le flûtiste visiblement. J'en ai pas mal de quêtes, Samuel. Hein. J'en ai pas mal. Hein. Beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y en a au moins une dans chaque relais, voire deux dans chaque relais. Plus ou moins, ce qui fait un bon paquet de quêtes. Hein. Déjà. Au confin du hall, quoi. Il est loin. Si, j'aimerais bien la voir, mais pour ça, il faut que je ramène ton mate. Hein. Et après, il faudra qu'on grimpe. Sud-est, ici, au nord-vieux. Le son de... Oh, au sud-est. Oh, c'est loin, par contre. Heureusement que j'ai le TP, les gars. Heureusement, j'ai le TP maintenant. Je me méfie parce qu'à la fois avec le véhicule s'est ouvert, il y a un gros frelon sa mère qui a voulu chercher dans la fenêtre pour y faire un nid. Du coup, je guette qu'il revienne pas, Jackie. Mais genre, gros frelon sa mère, quoi. Je le plaque au sol, je l'embarque. S'il te plaît, le consentement. Non, non, mais le consentement, les gars. Oh là. Vous voulez que je vous demande l'épée?
Par contre, c'est effrayant parce que si je me pointe avec mon épée de légende, ils vont vouloir me choper, quoi. Elles vont me choper, en fait. Ah, oh, y a pas de guidon, c'est dommage. Je vais me pointer là où il y a les chevaux. Genre, c'est là, du coup. Hein. C'est ici. Il commence à faire nuit, donc on y va. Où je ramène son cheval squelette à lui, là. J'ai pas fait le sanctuaire. Sanctuaire. Je l'ai pas fait. Ça me fait chier, oui, oui. J'ai pas fait le sanctuaire. Ok, donc sous les ponts, il y a toujours un Korogu. Voilà. Toujours un Korogu sous un pont. Faut que j'aille là-bas, je crois. Pas du tout, c'est... Du coup, c'est pas rond de ce côté, quoi. Je commence à avoir très très chaud, là. En 300 masques, c'est pas mal, hein. Je suis même pas à 300, moi, et j'ai le masque, hein. Je peux être à... 150, je pense. Un peu plus. Oh, c'est une blague, la pluie, par contre. Non, la pluie, c'est une blague. Et des fois, le jeu, il veut pas, hein. Mais ça marche pas en fait. En fait, ça ne fonctionne pas. La potion ne fonctionne pas. Je vais demander un remboursement. Donnez-moi des yeux. Des yeux. Ah oh, ouais. Filez-moi vos yeux là. Oh, je m'en fous de toi, tu sers à rien, putain. Ouais, je crois que j'ai mal, j'ai confondu, je crois. En principe, actif absorbant confère une meilleure adhérence sur les parois humides. Bah, c'est ça, hein. Bah, ça marche, censé marcher, hein. Après, elle est meilleure, elle est pas parfaite, quoi. Il y a marqué meilleure, pas parfaite. C'est vrai. Je vois le cheval squelette là-bas, je prends en capture un. J'ai plus d'objets de glace, en vrai. Fait plaisir. Ça c'est ma strat pour le cheval. J'ai pas le sens encore. Faut que j'aille voir à la limite. Je suis jamais à la limite, je crois. C'est la quête avec Pharas, mais j'ai pas encore fait. Et les chevaux squelettes, ils sont bien mieux que les chevaux non squelettes. Hein. En termes de maniabilité, c'est pas la même chose. Hein. Le boss du stream, il faut faire un petit boss point d'interrogation pour savoir. Je sais plus qui c'est. Tu marques Wizul, Caro, sur Google. C'est le premier lien, c'est wizul.us. Si tu m'entends. Attends. Wizul. Tac. Je crois que c'est ça, hein, qu'elle voulait. Non, sans le E. Sans le E, il n'y a pas de E. Et sinon, c'est ça le lien, il me semble. Ah, ouais, c'est ça. Il y avait un petit SM2 avant. Ah.
Ouais, je crois que ça auto-check SM2 avant. Oh, la musique, j'ai entendu. Vous avez entendu la musique? Nanananana. J'ai entendu, moi. Il y a cette musique là-bas. C'est le cheval qui fait la musique. Bonsoir. Bonsoir Vama, coucou. Bonsoir. Comment est-ce? Il y avait cette musique là-bas. C'est pas le cheval apparemment qui fait la musique. Oh, il y a un foutu Korogu là-bas. Je ramène ça à Patrick là-bas, je fais le sanctuaire aussi. Enfin, super, et toi? Merci encore pour la soirée, c'était chouette. Pas de soucis, l'ami. Si, c'est cheval que la musique. Oh non. Putain. Même si Amal parle beaucoup et n'attend pas, c'est vrai. C'est Amal. Eh oui, ils existent, j'en ai un. Cadeau, mon gars. C'est le bruit qu'il a fait. Hein. Écoute, il semblerait que ce soit un cheval squelette, ouais. Quoi? Oh, le spoiler. Le mec, j'ai l'impression qu'il a que ce cheval a beaucoup d'amis dans un endroit très profond et très obscur. Par exemple, les profondeurs, mec. Quel génie, ce type. Vincent Lurk pour la visibilité. Des bisous à toi. Merci, Vama, pour le lurking. Des oubix à toi. Ça marche. Et bien, bon Sea of Thieves à toi. Hein. Et puis, à plus tard. Merci, Lurk. Oui, je viens de le faire tout à l'heure. Je l'ai fait tout à l'heure. On peut monter un ours, sans déconner. J'ai monté un Bambi tout à l'heure. Mais je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai ramené. Il se fout de ma gueule, Spengy, je vais le tabasser. Vraiment, je vais le tabasser, je vais le ken, Spengy. Fatigue. Nous n'acceptons pas les créatures démoniaques. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ici, c'est basé sur le racisme, en fait. D'accord? On est là-dessus, hein. On est sur du racisme. C'est ça que je veux dire, hein. Créatures démoniaques, parce qu'un peu différente, quoi. Bravo. Est-ce qu'elles vont me sauter dessus, du coup? Quel jeu de merde, t'as vu ça? Est-ce qu'elles vont me sauter dessus ou pas? Bah, je crois pas, hein. Si je leur mets un coup de mon épée... Ah bah si, elles m'ont vu. Ah merde. C'est moi le héros. Elle est plus petite. C'est pas la bonne épée que vous avez regardée, hein. Bande de connasses. Je vous tue, moi. Vraiment des connasses, elle. Je suis sûr qu'il faut l'amener là-haut. Ouais, bonne question, hein. Ah bah d'accord. Très bien. Très bien. Et en fait, on a rien pour grimper. Yes. Ah si. Le nécessaire est ici. Ouais, bon d'accord, c'était un petit nécessaire. Sur le champ, c'est Korogu, hein.
Il y a moyen que je prenne une fusée, mais la fusée on va monter beaucoup trop, ça va être chiant. Il y a moyen que je turbine. Je pense qu'une turbine et un guidon devraient peut-être suffire. Ah bah oui, bien sûr. Ah, c'est la pente. Je vais trop vite des fois, ça me fascine. Ouais. On a un problème d'équilibre. Avec un seul, c'est pas suffisant. Il m'en faut au moins deux. Beretta, je vais trop vite, putain! De Switch. J'en ai marre de la Switch. Mais. Il y a un monde où ça va être compliqué. On est trop lourd vraiment? Attends, on est trop lourd. On n'est pas vraiment trop lourd, c'est une blague. Putain. Coup de post officer, bonsoir de post officer, pardon. Comment vas-tu? On est encore trop lourd. Bon, bah on va en prendre 4, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est pas très très symétrique, mais c'est pas grave. L'équilibre sera là, je pense. Ok, normalement, il y a... Je vais pas trop vite. Mais... Normalement, on est bon, là. C'est une question d'équilibre. Une petite question d'équilibre. Viens là, comment on le traîne. Comment on le traîne n'empêche, c'est quand même la maltraitance un peu. C'est un petit peu la maltraitance. On va pas se mentir, on le maltraite un peu quoi. Mais ça dégage, au moins c'est fait. Alors potentiellement, j'ai peut-être besoin de ça pour aller chercher un autre Korogu tout à l'heure. J'étais plus loin là-bas au niveau du pont, je crois. Et je crois que ça despawn cette plateforme là. Là-bas il y en avait un. Sur le bord, je me rappelle. Et en fait, c'est quelque peu intriguant, quoi. C'est un véhicule qui ne peut juste monter, quoi. Qui ne peut que monter. Incroyable ce que je viens de faire. La réception. Ah, la réception, quoi. Dis-moi où sont tes potes. Dis-moi tout, mon gars. Ça va tranquille, impeccable, c'est pas officer. Potoban, je l'ai fait déjà. Il est loin en plus, heureusement que j'ai pris ça. Il est loin, ce con. Ouais, ouais, t'inquiète, tu vas bouger. T'inquiète pas, mon petit gars, tu vas bouger. Alors, par contre, je vais le mettre là. Pour Cartman, je l'ai fait à côté, ouais, déjà. Il est loin, lui. Par contre, ça me casse les couilles. Faut que je retourne là-bas, après. Ouais.
C'est lui qui fait un boucan pas possible. Secours. Ah ouais, secours le bro qui fait. En même temps, je serais lui, j'aurais peur aussi. Hein. Et vous imaginez le dos avec la chute qu'il a fait. Il n'a plus de dos ni de jambes, il n'a plus rien le mec. Hein. Lui il est mort lui. Hein. Normalement il est dead. Hein. Ouais, en inclinant le ventilo j'aurais pu descendre après. Mais ça aurait été pas symétrique, ça aurait été pas équilibré je pense. J'aurais été plus vite, mais ça change rien. Disons que pour démarrer, ça aurait été un enfer, non? Je crois. Attends, il y a un... Pardon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Ouais, je l'ai fait des puits, hein. Mais là, par contre, il est quelque peu effrayant, ce puits, non? Non, mais les gars, je divague, là. Je me disperse. Mais il faut que je le fasse. Il y a un puits. Bon, ben on y va. On y va, quoi. Ouais, c'est un trou de cul, hein. N'empêche, imaginez un jour, vous tombez sur un puits avec une profondeur comme ça. Vous avez peur, hein. Moi, je vous le dis, vous avez peur. Hein. C'est sûr que vous avez peur. J'ai pas beaucoup de lumière. Ah, ouais, yes, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ah, mais j'y vais pas non plus, hein, hors de question. Hein. Hors de question que j'y aille. Hein. Par contre, ça sert à rien ce puits parce qu'en fait. Oh, ce puits ne sert à rien. Il fallait que j'aille pour visiter au moins le puits parce que là, en fait, tout ça, ça sert à rien. Oh, je suis dégoûté. Est-ce qu'il y a un passage? J'ai pas de passage, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, hein, je peux me téléporter du coup. J'ai le droit maintenant. C'est vrai que j'ai le droit de me TP, hein, ça j'ai le droit. Les gars, j'ai le droit de me TP. Il y a une ruine là-bas, je l'ai faite. Je crois pas. Si, je l'ai faite. Si, je l'ai faite, même que je crois qu'il y avait un... Il y a une foutue pièce du set de lumière ici. Si, je l'ai fait. Le coffre des spawns, c'est marrant ça, il reste même pas ouvert. Ouais, il y a des spawns ce coffre. Bon, le but c'était pas ça. On retourne ici, on retourne au sanctuaire, on a fait le puits, on est content. Ça va rien, mais on l'a fait. À moins qu'il y ait une grotte. Il y a peut-être une grotte, genre, tu sais, dans le mur, dans le colon, là. Il y a un moment où il y a une grotte, peut-être. Mais on verra ça plus tard. Je commence à avoir parcouru de la map quand même. C'est quoi ça? T'as un feu? Pourquoi c'est une cible? C'est un corou? On dirait une cible. Il y a un gros con. Je tape sur le gong. Bah tape donc sur le gong. Ouais, elle est pas si grande ta tour.
Vas-y. Oh. Ok. Marrant. Oh. Vas-y, on va essayer. On va essayer, je sais pas du tout ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne. J'ai le temps qu'il faut. Ouais. Ah, la cible, c'est pour le centre, d'accord. Bah le plus fort c'est ça hein. Genre no joke, le plus fort c'est ça hein. Par contre pour viser la catapulte, il y a aussi des bombes. Parce que ça. Ouais par contre faut pas rater quoi. On va essayer de faire ça, c'est du métal. Complètement du métal. Hein. Je suis pas sûr que ça soit le plus fort, ça. Hein. Parce qu'en vrai, ça aura pas le temps. Il n'y a pas assez d'auteur pour que ça prenne beaucoup de puissance. Pas dégueu. En vrai c'est pas con. Bah oui. Oh. Ah. 67 gros décibels. C'est beaucoup. Apparemment c'est pas ouf. Apparemment c'est pas ouf les gars. Parce que vu le cadeau apparemment c'est pas si ouf. C'est pas si dingue. Donc ça c'est non. Alors il y a un monde où on fait une catapulte mais une balance, vous savez. Genre je vais vous montrer de quel type de balance je parle. Vous allez voir de quelle balance je parle. Bien sûr, c'est pas gagné. Ah, c'est pas très droit par contre. Comment je peux le tenir droit ça? Parce qu'il en faudrait deux pour que ça tienne droit, au moins. Et il n'y en a qu'un. Triste, je suis triste, ça marche pas. Oh, je suis triste. J'adore la musique. Oh, il y en a un deuxième. Attendez, il y a un monde où je fais un truc de génie là. Il y a un monde où c'est un truc de génie. Des bisous à toi Samuel. Bye you l'ami. Bye you. Amuse-toi bien et bonne soirée à toi. Merci de passer, ça fait plaisir. Normalement, il y a un monde où ça tient totalement. Ah merde, du coup ça tient pas, je suis con. Je chasse une sacrée catapulte pour que ça tienne. Hein.
Ah oui, d'accord. Ah bah oui, ça se désactive. Marrant, ces conneries, hein. Oh, je suis désactivé, par contre. Un peu bancal. Un peu bancal. Je vais voir si je lâche s'il s'envole. S'envole pas. Parce qu'il est collé. Le truc c'est que si je le colle pas, il. Malheureusement il tient pas quoi. Il va glisser avant de se faire le soulever parce que c'est trop lourd. On va essayer autre chose. On va faire simple avec un petit spring. Avec un truc aussi simple qu'un spring. Une planche comme ça. Que l'on colle dessus. Bien droit évidemment parce que sinon ça marche pas. Voilà. Un caillou bien lourd sa mère. Ouais, évidemment, je sais le faire d'une droite, c'est pas évident. Hein. Ouais, et puis le caillou qui se barre le bois terre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que Jackie pourrait tenir droit? Ah oh, oui, d'accord. Ça marche pas, beaucoup trop lourd en tous les cas. Eh, hey, j'ai pas d'idée, hein. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. En fait, plus c'est lourd, plus ça va pas taper. Ça va être dur à taper fort. Ah, c'était pas ouf. Enfin, j'ai envie de tester un peu. Hein. Y'a moyen de faire un truc de malade. Si vous avez des idées, les gars, n'hésitez pas. Hein. À mon avis, y'a moyen de faire des trucs de dingue. Mais la catapulte, c'était pas si dégueu. En fait, il faudrait que je mette un truc léger dessus, genre un tonneau. C'est pas facile. Padam pam pam. La bombe, ça peut être efficace aussi. Hein. En fait, c'est un monde où la bombe, c'est très efficace. Hein. Mais c'est une blague. Casse-cou ça. Hein.
Je sais pas ce que je fais. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Hein. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Coucou Igor, bonsoir. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, Igor, que tu respires le bonheur. Je sais pas ce que je fais, les gars. On va voir. Est-ce du génie ou n'est-ce pas du génie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. I don't know. J'ai lu un tweet intéressant sur Zelda Zelda et j'étais plutôt d'accord avec. J'aimerais beaucoup ton avis qui, je suis sûr, sont intéressants. Vas-y, dis-moi. Oh, je suis trop. Je reviens pas. J'ai pas la portée encore, ça dégoûte. Il disait que beaucoup de joueurs disent que Toteka est mieux, mais que sur le long terme, Breath of the Wild vieillira mieux. Oh, je sais pas. Je sais pas trop, j'ai pas trop les arguments en tête. Car Breath of the Wild, c'est vraiment toi contre la nature qui fait son charme. Ouais. Ouais. Et Toteka, c'est plus côté construction, et donc au début, tu tâtonnes. Tu tâtonnes un petit peu, mais quand tu seras parfaitement construit et être optimal, il sera. Il perdra sa qualité. Je trouve que c'est pareil pour Zelda, hein, Breath of the Wild. Quand tu sauras jouer mieux sur Breath of the Wild, c'est pareil. Hein. Tu vas vite après sur Breath of the Wild. Hein. Alors par contre, j'aimerais bien voir. Ok, bon. Je sais pas ce que je fais, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas à quelle puissance ça va partir. Mais il y a un monde où c'est du génie. C'est un échec. C'est un échec cuisant. Dans Breath of the Wild, tu restes, comme dit par l'auteur, un insecte dans une carte gigantesque. Ouais, mais ça arrive quand même parce que... Le sentiment de... De versus contre la nature, comme tu dis, bah tu l'as vraiment que. Tu ne l'as vraiment qu'au début, hein, parce qu'en soi, après, quand t'es équipé, que t'as les bases, t'as surtout l'impression de faire des longues distances et de te balader, et puis voilà quoi. Pour moi, je trouve qu'on a les mêmes sensations hein, de. Ouais, y'a ça. On a juste moins parce que. On a déjà fait Breath of the Wild. Ça, c'est clair.
Et si je mets pas ça, mais genre plutôt... Je vais essayer ma merde. Je pense que ça va marcher. Mais sans l'équilibrer. Enfin, sans le faire tenir moi-même. Il tiendra pas, je crois. Perso, après avoir tenté d'escalader 50 fois la montagne car il pleuvait en plein milieu à chaque fois. Moi, ouais, ça se fait. Ouais, mais il y a plein de solutions, tu vois. Mais après, c'est juste chiant plus qu'autre chose, hein. De pas réussir à monter une montagne parce qu'il pleut et parce que dans ce jeu, il pleut de manière aléatoire. T'as juste l'impression de te faire avoir, quoi. Je sais pas. Ouais, mais c'est pareil, sur Totoka, faire l'avion, il faut que tu puisses le faire aussi. Je sais pas, je suis pas sûr, moi. Ça, c'est pas mal. Ça va rouler, ça, je connais. En fait, j'ai envie de faire une catapulte, mais je suis pas convaincu d'un catapulte, quoi. Surtout que c'est pas très droit, là. Pas mal, ça, c'est un peu mieux. Niveau histoire, j'ai pas tant avancé que ça, en vrai. Parfait. Ah oui, je voulais pas le coller, par contre. Ah, j'en colle un, mais l'autre, je colle pas. Enfin, je les collerai après. J'ai pas tant avancé que ça dans l'histoire. Ok, donc là ma catapulte va fonctionner. Et bien comme il faut. Hein. Là, je vous le colle que ça part dans l'espace. Hein. Et putain, je peux la mettre droite. C'est une blague d'être teubé pareil. Merci. T'as fini l'histoire de World of Fantasy, le boss de fin, quelle merde. Oui. Oui, oui. C'est pas ouf. Et putain! Sac à merde, Nick. Pougaro, bonsoir, comment vas-tu? Merci pour ton raid. Comment ça va? Bienvenue à toutes et tous, comment ils vont? Comment ils vont tous là? J'ai l'impression que c'est du génie. On va voir, hein. En fait, j'aurais dû mettre les deux poteaux sur le centre là. Pas une balançoire. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est. Dernier essai en tout cas. Je crois que c'est pas ouf, hein. Ouais, c'était pas ouf. J'ai compris la technique pour le battre après 9 game over et au moment de le faire ma dernière attaque. Et au moins, le final, c'est que t'as réussi au final. Ça va, à part un américain qui rit parce que j'ai pas réussi son niveau, mais ça va et toi? Ah bah ça, c'est Mario Maker, malheureusement. Écoute, ça va. Je balance des cailloux sur... J'ai envie de réessayer. J'ai envie de réessayer, les gars, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de faire un gros bimamboum, quoi. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Est-ce que si je prends une fusée, peut-être? Je sais pas, une fusée peut-être. Je suis pas convaincu de la fusée, hein. Ça va être un peu ridicule, la fusée, hein. C'est un peu ridicule. C'est un peu... Si je fais plus que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ridicule.
Genre, je me suis emmerdé à faire une catapulte. C'est le même. Énorme. En train de me ruiner. Trop compliqué, ça. Igor, trop compliqué. Jamais de la vie. Trop compliqué. C'est vrai qu'il y a un monde où... on fait une dinguerie, là. Le problème, c'est qu'il faut viser, après. J'ai fait un peu plus, ouais. Ça a été la catapulte. Tu mets une plateforme into fusée et avec la vitesse. Tu mets une plateforme into fusée. Bah, je sais pas, ça va faire autant de trucs. C'est la fusée qui va donner l'impulsion. Et la fusée toute seule, elle fait que 41. Je suis pas sûr que ça fasse plus. Le haut de la montagne, ça serait compliqué de viser comme ils font. Je sais pas du tout, Caro. En vrai, j'ai pas regardé. Il y a un monde où avec deux ça va deux fois plus vite. Un truc avec des œufs et des lardons avec une pâte ah la quiche. C'est vrai ça. Mais faut la faire du coup. Une quiche, pardon. C'est la quiche, c'est la quiche. C'est la quiche, ouais, quiche Lorraine. Je vais essayer de mettre un piquet dessus. Peut-être par magie, un piquet fera plus de dégâts. Je peux juste taper avec la planche. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas droits du tout. Hein. Je mets tout au-dessus, brûle. Comme ça, les objets tombent dessus. Ouais, c'est vrai, mais ça va pas être très fort non plus, je pense. En fait, faut que je mette du poids de ouf ici, là. Typiquement, si je mets du poids de dingo, le contrebalancement, ça va être archi-violent. Alors ça risque d'être violent, ça. Le grand se regarde plus comme ça, il sera sonné et se trompera dans son... Ouais, bah là, au moins... Ok, là on est sur quelque chose de relativement diabolique, hein. On est sur... Il y a du poids, là. D'accord, il y a du poids. Ah, il y a tellement de poids que j'arrive pas à le recalibrer droit. Là, j'ai envie de dire... Let's go, hein. Et c'est un sacré marteau, hein. Nouveau record. Là, on est pas mal. Là, on est sur quelque chose d'assez violent, je pense. J'ai encore la tête qui vibre. C'est vraiment fort, en tout cas, merci. 120, ça faisait gros. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est quoi le cadeau? M'énerve. T'as raison. Je pense que t'as raison, je vais prendre le gros con, je vais foutre dessus. Non, ça arrête là, hein, tant pis. Le mec il est molle. Waouh, c'était énorme! Tu peux mieux faire quand même. Hein. Franchement, tu peux mieux faire. Hein. Mais c'était énorme! Mais tu peux mieux faire. Hein. J'espère qu'il y a personne au-dessous. Hein. Bon, on fait le sanctuaire et puis on déco, je crois. Hein. Petit sanctuaire et puis ça passe sur une déconnexion. Tu me fais chier.
Alors, guidé par les pieux. Trop marrant, ça, ce jeu de mots. Tout au calme. Je vais pas nous calmer, moi. Je suis totalement calme. Tu me racontes aussi. Tu fous ma gueule, toi. Tu fous ma gueule, toi, hein. Alors, où est-ce que sont les coffres? J'en sais archi rien de là où sont les coffres. Ouais, ouais. Ah, bah, y'a un coffre là-bas déjà. Ça te dérange pas, j'aimerais bien faire la quiche toute seule. Ok, ça marche, quoi. T'inquiète. Pas de soucis. Pas de soucis. Ah, dommage. Ah bah c'est plus simple que ça. Youhou. Oh, c'est un peu long, Arkin, hein. Un peu long. Les flèches de bois. C'est les flèches de bois. Les petites flèches de bois. Les petites flèches de bois. Ok, ça fait pas d'effort avec moi, mais je peux pas. On peut pas. Viens là, viens là. Allez. Ok. Non, mais j'en connais, il y a une triche là. Bah y'a quoi, il se fout de ma gueule. Bah j'en connais ça. Et comment je fais là? Bah j'ai l'air fin comme ça. J'ai vraiment l'air fin comme ça. Mais non. Non, il fait le cheat, mais genre ça, moi je fais pas exprès. Ah, je fais le cheat. Je crois que je faisais le cheat, genre tricher quoi. Cette pute. Excusez-moi, c'était vulgaire, mais... Moi, j'aime bien tricher, moi. Oh, yes. Ouais bah oui. Totalement ce que je voulais faire d'ailleurs. Absolument là où je voulais le coller. Franchement le jeu a tout compris.
Le jeu a tout compris. Je crois que ouais, c'est pas très grave. Bah yes. Ah franchement super quoi. Ah c'était génial hein. Ouais c'est marrant. Ouais c'était super hein. Franchement c'était génial. Allô? Ah, je peux pas décoller là. C'est un problème, chef. Ah, oh, d'accord. On en est là. Mais pardon? Ah, oh, oui. Mais putain! Mais putain de ta mère! J'ai glissé, chef! J'ai glissé de A à Z! Mais quelle vie de merde! Mais Link, t'es con! Bah, je vous jure, Link! Bah, c'est marrant. Bah, c'est pas marrant, y'a tout qu'à despawn! Link, il est à côté de ses bottes! Ah, ça! Link, t'es con! Eh mais... Ok, ça m'a saoulé. Mais quoi? Il me fatigue, Link! Merci beaucoup, Link. Sale con. Mais vas-y, c'est un mania, descends. Ah ouais, mais moi je suis trop con, moi. Je viens de comprendre en fait. Oh là là, et décidément. C'est compliqué la vie, hein. Ouais, c'est compliqué la vie, hein. Non, mais des fois c'est dur, hein. Non, les gars, des fois c'est compliqué aussi, hein. Faut pas croire, mais des fois c'est très compliqué. Hein. Non, mais des fois c'est compliqué. Hein. Mon cerveau, des fois, bon voilà. Hein. Que voulez-vous? Où la porte? Ok. Okidoki. Sanctuaire fait. Punaise. Oh la galère. Ouais ça fatigue, j'avais fait le plus dur je crois. Hein. J'avais triché la boule, mais après je sais pas, mon cerveau il a dit non. Ouais non. Je voulais donner de la gravité pour qu'elle tombe, enfin de la vitesse pour qu'elle aille vite et qu'elle passe toute seule, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un truc qui tournait devant. Pas pour rien quoi. Oui Caro. Ah oui, deux shiny aujourd'hui, GG. J'ai pas eu, pardon. Félicitations, c'est pas mal deux. En combien de temps? 2 heures je crois en plus, c'est ok hein. C'est plutôt au cœur. Oh, il y a un puits. Il y a un Kologu aussi encore. Où est le Kologu? Ah, il est pas là, je crois. Hein.
Bah j'ai eu deux shiny, elle est genre 20 minutes avant la fin. Oh bah, heureusement alors. Heureusement que t'as chopé les shiny à la fin. Il est en bas je crois. C'est vrai que là, faut que je lui ramène un animal spécial. Qui est pas un cheval pour monter dessus. Ouais, après, j'ai fait avec des arbres spéciales. Et c'est moins ouf. Ouais bah c'est pas ouf ici. Mais Link fatigue ce con des fois. Oh y'a un gros con, mais c'est le vendeur, ah non c'est Terry. C'est un gros con quand même. Ok, bon bah ça va être la save hein. Ça va être la... Ah, il a le gros goût. Ça va être la sauvegarde hein. Da-da-da-da-da-da. Ça va être la sauvegarde. Et le retour demain à midi pour Demon Maker et ensuite du Zelda. Faudra qu'on fasse la quête aussi là, il reste... J'irai chercher un autre animal. Je vais voir si je peux en avoir un, ils sont juste au-dessus sinon. J'ai un peu de chance. Bah il n'a pas cette fois. Il n'y avait pas un dernière fois ici, il n'y en a pas un seul. Dégoûte. Faudra qu'il soit là-bas. Sauvegarde du coup. Hein. Ok. On aura fait deux grandes fées, c'est pas mal. Demain on attaque la troisième qui est à côté là. Et on ira faire celle au nord aussi, comme ça on aura les quatre fées et ça sera cool. Ce sera cool. Quelle chaleur. Hein. 3 milliards de degrés il fait ici. Je surélève, je brille. Je brille de mille le feu. Je brille. Waouh, mon prof il est à 100 degrés, ma graphique à 70. Si ça c'est pas de la chaleur, hein, je sais pas ce que c'est moi. Mais si, il va brûler à force. Je vous le dis, il va brûler. C'est sûr. Bon. Bon. Ah ouais, le CPU, il est vraiment à 100 degrés, quoi. Genre, ça le dérange pas, quoi. La chaleur qu'il doit prendre. Bref fouille. J'espère que ce live vous a plu. Vous avez apprécié qu'on se balade sur Zelda. On se retrouve du coup très vite demain à midi. Demain à midi pour Demon Maker et à 14h ensuite pour continuer Zelda. Évidemment. En attendant, bah, portez-vous bien, bon appétit, hein, bon tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, des bisous à vous. À demain. Des bisous. Salut. Au revoir.
Thank you.